Thank you.
que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté encore ce matin. Je te grâce que nous avons de pouvoir savoir que tu es vivant, d'être là au milieu de mes personnes, rassemblées en ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom qui sauve encore aujourd'hui, ce nom qui délivre encore aujourd'hui, ce nom qui guérit encore aujourd'hui, ce nom qui nous ramène encore davantage à toi, mon sauveur. Au-delà, rassemblez-nous comme une tête, rassemble ces éléments, mon sauveur. Nous te remercions parce que tu avais fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Pour être béni, tu es vraiment le Dieu fidèle. Oh, fidèle à ta parole à toi. Il a tes promesses à toi, oh notre Dieu. Tu es vraiment le Dieu glorieux, merveilleux Père. La crainte des dieux, notre Dieu. Le bonheur aussi des dieux, notre roi. Tu es notre rédempteur. Tu es vraiment notre consolateur. Tu es vraiment le vrai Dieu dont nous avons tellement si besoin, Père. Nous étions égarés en ce moment. Nous la ramener vraiment à toi. Oh, tu vas te réfugier en toi, mon bénévole Seigneur. Nous étions chargés, mon Seigneur. La maintenant aussi déchargés, Père. Et nos fardeaux, mon bénévole Père puissant. De ce que nous sommes, notre nation, Père. Que tu as fait de nous, notre qui t'appartient. Louange et honneur à toi. Pour les sacrifices en comme ça, mon sauveur et mes personnes. Louange et honneur à toi encore, mon bénévole Père puissant. Oh Dieu, pour ta résurrection, notre Dieu. Parce que face à toi aussi, justifié, mon sauveur. Béni soit ton Seigneur, notre Père. Oh, que ton nom soit béni encore ce matin, Seigneur. Vous êtes grâce de nous rassembler en ces lieux, Père. De voir chanter les chants des Sions, d'entendre tes enfants chanter la gloire de ton nom, Père. Tu es vraiment le Dieu merveilleux. Merci pour les dons que tu déverses parmi nous, mon bénévole Père. Merci encore pour les bénédictions, notre Dieu. Nos yeux peuvent voir ce que tu fais, Seigneur. Et notre cœur voit réellement ce que tu fais. Je te remercie encore de grâce, notre Dieu. Tu es vraiment vivant, mon Seigneur béni, Père. Nous t'avons trouvé, mon roi, et nous sommes heureux pour t'appartenir, mon notre Dieu. Et de marcher avec toi et de servir toi. Que Dieu fait, quelle consolation nous sauva. Sauva que nous te servons selon ta volonté, Père. Béni sois-tu encore pour chanter les cantiques, mon roi. Béni, mon précieux frère, que tu as conduit encore ce matin, Seigneur. Dans les chants des cantiques, mon roi. Nous te remercions pour chaque âme, pour chaque frère. Tu as aussi chanté aussi encore ce matin, Père. Et dans la voix, c'est la voix ce matin, devant son trône de grâce, mon roi. Nous pensons que nos frères se sont en connexion partout, Père. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Merci de m'avoir ramené, Père. Louange et honneur à toi encore aujourd'hui, Père. Tu es digne d'être adoré. Merci pour ton amour et ta bonté en notre voix. Merci encore pour ta volonté divine. Je t'ai prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux et aussi consolés de pouvoir nous retrouver et de pouvoir avoir la communion ensemble autour de la parole de notre Dieu. C'est autour de pouvoir chanter le chant des Sions pour ce Dieu qui fait de merveilles dans notre vie et aussi dans notre temps, ce temps dans lequel nous vivons, où nous avons trouvé grâce aux yeux de ce Dieu pour que nous puissions être appelés aussi en enfants de Dieu. Et que nous puissions aussi être le peuple de Dieu, comme la Bible le dit aussi, le troupeau de son pâturage, que sa main puissante et glorieuse conduit encore aujourd'hui. Quelle consolation de vivre dans un temps comme celui-ci, dans un âge comme celui dans lequel nous vivons. Ainsi, nous pouvons comprendre aussi pourquoi tous ceux qui nous ont précédés aussi, quand ils pouvaient voir de vrai, qu'ils croyaient réellement la parole de Dieu, leur désir aurait aussi de pouvoir vivre dans un temps comme celui dans lequel nous vivons, parce que c'est un temps glorieux, difficile, mais il est vraiment glorieux, et compliqué, mais il est vraiment précieux, parce que c'est vraiment là que le Seigneur va marquer son point final, dans ce qu'il a eu à pouvoir réellement aussi annoncer. C'est vrai, beaucoup seraient et seront surpris parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir réellement considérer les choses de Dieu de la manière dont Dieu a accordé la grâce que nous puissions réellement le considérer et les observer aussi. Nous ne partons pas en désordre, effectivement, et nous ne courons pas à gauche et à droite. Nous attendons simplement au Seigneur pour fermer notre marche et nous aider à pouvoir réellement prendre le rythme qu'il faut pour que nous ne marchions pas comme nous le pensons, que nous ne puissions pas nous diriger
comme nous le voulons, mais que nous puissions réellement être totalement dépendants et soumis à ces dieux, comme les Saintes Écritures le démontraient sur le chemin où ils devaient aller. Ce n'était pas aux enfants d'Israël de pouvoir choisir le chemin qu'ils voulaient prendre, effectivement, ou de faire ce qu'ils voulaient. C'était au Seigneur lui-même de pouvoir réellement le conduire sur le chemin et leur montrer le chemin que lui avait réellement choisi. Amen. Le choix de Dieu n'est pas notre choix. Amen. Et la conduite du Seigneur n'est pas notre conduite. Amen. Parce qu'il est vraiment Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir vraiment totalement nous abandonner en fait en ces dieux, et de manière à ce qu'ils puissent avoir la prééminence, c'est-à-dire la domination sur nous, comme cela a été aussi le cas avec Abraham. Abraham a eu à pouvoir s'abandonner à ses dieux parce qu'il ne pouvait pas savoir où il allait, mais Dieu savait. Et il a placé réellement aussi sa confiance en ses dieux, de telle sorte qu'il... C'est pourquoi le Seigneur a appelé à Abraham, effectivement, comme les Saintes Écritures nous le montrent, avec autant d'amour, effectivement, combien Dieu était aussi avec Abraham, sachant ce que Abraham était et ce que Abraham aussi allait faire. Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre que ce qu'il a fait était aussi un modèle aussi pour nous qui sommes appelés à pouvoir être son peuple, réellement, devoir vivre effectivement aussi selon le modèle qu'il a établi aussi au travers des anciens. C'est pourquoi aussi, quand nous lisons les Écritures, il dit toujours qu'il ramènera le cœur des enfants. Il ramènera donc pour que nous puissions rester effectivement dans un modèle précis que le Seigneur a établi et qu'il a donné. Il faut que nous sachions aussi que notre temps dans ce bas monde devient de plus en plus court. La venue du Seigneur est vraiment proche. Les uns, les autres pouvaient dire effectivement dans le temps, oui, vous avez toujours eu à pouvoir dire cela, certainement, c'est vrai. Avec Dieu, nous ne sommes pas pressés. Nous voulons simplement que Dieu nous donne les temps qu'il a déterminé lui-même. Et comme la Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers nous, afin que le périsme et que tous parviennent donc à la repentance. Nous voulons réellement arriver à pouvoir être dans la bonne disposition pour que lorsque lui, il viendra, il puisse réellement nous trouver prêts. Mais nous croyons de tout notre cœur et nous savons aussi certainement que c'est vraiment, alors là sans l'ombre d'un doute, c'est vraiment dans ce temps dans lequel nous vivons, dans cet âge effectivement, que le Dieu Très-Haut, le Seigneur de gloire, viendra certainement pour pouvoir chercher en réalité son élu, qui est réellement aussi son épouse, la dame élue, laquelle effectivement le Seigneur jusqu'à ses jours prend soin dans le moindre détail, parce que c'est sa propriété, il s'en est choisi lui-même, c'est une grâce d'être réellement choisi par Dieu, de pouvoir se trouver effectivement dans la protection et dans la conduite effectivement, comme les Saintes Écritures les disent. Certainement, c'est vrai que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont vraiment fils de Dieu. Et s'il y a un temps où nous pouvons vraiment devenir très attentifs et très amoureux de la parole du Seigneur, et vraiment très accrochés à Dieu, c'est vraiment ce temps. Amen. Parce que c'est vraiment la fin en réalité, et que nous voulons prendre part à ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir promettre dans les Saintes Écritures. Nous allons lever pour lire dans le livre de Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Nous lirons Luc chapitre 18. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. C'est une grâce inédite pour moi d'être revenu. Amen. Et de pouvoir aussi me retrouver parmi vous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous qui avez prié pour moi, Amen, pour le voyage que j'ai eu à pouvoir faire. Qu'il vous bénisse aussi parce qu'il a fait de merveilles. Amen. Dans Luc au chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Luc 18, verset 1 à 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas un point Dieu et qui n'avait
égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice enfin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il vraiment à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur rendra promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Précieux Sauveur, quelle consolation de pouvoir t'entendre, c'est toi qui as exprimé ces paroles. Que c'est merveilleux, Seigneur, ce que le Saint-Esprit a poussé les hommes de mettre par écrit des paroles à toi pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la grâce de pouvoir les entendre, Père, les lire et de nous réjouir de ce que notre Maître a eu à pouvoir dire. Et Seigneur, nous t'implorons encore grâce parce que nous sommes des hommes aussi, nous avons, oh Dieu, Seigneur, des manquements dans beaucoup de choses, mon bien-aimé Père du Saint. Mais j'implore ta grâce encore ce matin. Il faut que tu viennes toi-même nous accorder la grâce d'entendre encore ta voix et nous aider à pouvoir entendre ta parole comme nous aimons tant être assis à tes pieds. Venir être instruit par toi, mon Seigneur, bénévole Père, et être éclairé parce que c'est vraiment le temps où la lumière vraiment encore éclaire, Père. Oh, louange à toi encore pour ce matin. Bénis chacun de nos pères et dispose encore nos cœurs maintenant à l'écoute de ta parole. Je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez. Comme le Seigneur et la parole le fait savoir ici, nous comprenons que le Seigneur veut montrer quelque chose qui est important à ses yeux et surtout aussi pour le croyant. Qu'il puisse trouver un puissant encouragement, effectivement, dans ce que le Seigneur attend de lui, en fait, en tant que croyant. La communion avec Dieu passe par la prière, le croyant trouve le temps, le moment de pouvoir vraiment se mettre à genoux pour pouvoir parler à Dieu. Parce que la Bible dit, le Seigneur l'a dit, demandez et vous recevrez. Amen. Comment est-ce que nous pouvons demander à Dieu si ce n'est que par la prière? Amen. Quand nous approcher de ce Dieu, effectivement, par la voie de la prière, pour pouvoir lui demander ses dont nous avons besoin. Et quand nous sommes des chrétiens, de croyants, en fait, des fils de Dieu, et nous savons effectivement ce que nous sommes censés demander à Dieu. Parce que la Bible nous fait savoir que lorsque nous demandons au Seigneur quelque chose, peu importe, selon sa volonté, nous savons que nous possédons déjà la chose. Parce que, déjà, le fait que le Seigneur nous écoute, puisque c'est dans sa volonté que nous prions, parce que je ne crois pas qu'il y ait un fils de Dieu qui peut se mettre là à genoux et dire, Seigneur, aide-moi que quand je veux me lever, je trouve la porte du voisin, je puisse la casser bien, que le voisin n'entende pas, que j'entre pour pouvoir prendre. Je ne crois pas que quelqu'un peut prier comme ça. Donc nous prions, selon la volonté de Dieu, dans le sens du bien. Et ce que nous voulons, c'est quelque chose qui est bien pour nous, qui doit nous aider davantage dans notre marche. En fait, nous prions souvent pour demander des choses très futiles qui ne servent pas à grand-chose. En fait, c'est la nature de l'homme, effectivement, qui a tendance à... Tu donnes un exemple, bon, et c'est un exemple simple. Tu as une voiture, tu vas en avoir une deuxième, tu vas en avoir une troisième, tu vas en avoir une quatrième. Il y en a de ceux qui ont un garage avec 10 voitures. Enfin, pourquoi tu veux avoir 10 voitures? Si tu demandes une voiture à Dieu, c'est parce que c'est un moyen de locomotion. C'est, Dieu ne va pas te donner les choses parce que tu demandes d'une manière futile. Mais quand c'est quelque chose qui est vraiment utile, vraiment qui a un besoin qui est là, je veux payer mon loyer, je n'ai pas de l'argent, Seigneur. Ça, c'est utile.
Alors quand je me mets à genoux, je n'ai pas de l'argent pour prier à la fin du mois. Seigneur, je sais que tu as dit, demandez, vous recevrez. Quand je demande cela, c'est quelque chose qui est... En fait, c'est un besoin qui est normal. C'est pas futile. Donc quand je demande cela à Dieu, là, Dieu entend ma prière. J'aime le Seigneur. Dans les Saintes Écritures, ça c'est extraordinairement merveilleux parce que cet homme n'était même pas de la postérité d'Abraham en fait. C'était un Italien, un païen. Vous connaissez, non? Corneille ne rentrait même pas dans les temples. La synagogue, n'en parlons même pas, n'allait même pas entrer. Pourquoi? Parce que bah, c'était un païen, c'était quelqu'un de nation, bachouillé, chef de Dieu. Mais là où il était, Corneille, il a eu à pouvoir entendre et voir effectivement comment effectivement ce peuple se donnait à ses dieux, comment ces dieux a eu à pouvoir faire. Alors il y a eu d'abord la crainte dans son âme. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas de ne pas voir, vraiment quand même voir les choses de la bonne manière. Frères et sœurs, il ne faut jamais suivre les informations et suivons ce que Dieu nous dit. Amen. C'est vrai. Vous savez, quand on regarde effectivement l'Orient, on a donc Israël, et puis on a aussi les Palestiniens, comme les choses sont. Nous aimons tout le monde. Comme la Bible le dit, faites du bien à tous. Principalement, croyons. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peuple là-bas, qui est sur cette terre là-bas, on appelle Israël. Et ce peuple, il est particulier parce que, de son origine d'Abraham, le père, effectivement, qui est donc Abraham, dont Dieu avait fait donc la promesse, il a dit ceci, je bénirai ce qui te bénit. Amen. C'est ce que moi je sais. Amen. Je maudirai ce qui te maudira. Quand Abraham est passé, vous connaissez comment ça s'est passé, non? Il y a eu Isaac. Isaac et puis il y a eu Jacob. La bénédiction, le droit d'aîné s'est tombé sur Jacob. Quand il est parti, effectivement, parce qu'on le poursuivait, vous connaissez cela comment c'est passé. Alors, Dieu lui dit aussi, je bénirai ce qui te béniront. Je maudirai ce qui te maudira. Donc, ce peuple qui se trouve là-bas, moins que bon, les gens ne puissent pas arriver à pouvoir avoir la conception des choses, mais si nous regardons la terre d'Israël, nous savons que il n'y a aucun peuple sur la terre qui peut aujourd'hui dire avec assurance que tout ça, ces bordures, frontières ici, délimitations, c'est vraiment chez moi. Toutes les frontières, ce sont les hommes qui les ont faites. C'est la vérité, non? Amen. Mais là, les frontières d'Israël, ces frontières, c'est Dieu lui-même qui les a dessinées pour Israël. Mais il sera de là à là et là. Et ça, toute la terre entière a ce témoignage que ceci, ce n'est pas les enfants d'Israël qui l'ont fait, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Amen. Donc, étant dans un pays comme celui-là, Corneille y était, il pouvait voir effectivement d'abord l'histoire même de ce pays dans lequel Jules César l'a pu envoyer effectivement pour pouvoir se retrouver là-bas. Le fait de se retrouver dans cet endroit, ces milieux, effectivement, il regardait et puis il regardait un peu l'histoire. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à être ce peuple, effectivement, et comment est-ce que, qu'est fait donc ce temple qui est là lorsqu'il a eu à pouvoir apprendre l'origine même d'où le peuple est venu, et pourquoi les temples, effectivement, dont la remontance à Salomon, David et tout ça, l'homme a compris qu'ici, ce n'est pas comme chez nous là-bas. Nous avons les Jupiters, les temples qui sont bâtis par les hommes, effectivement, avec des femmes. Ici, c'est un Dieu réel. Et en plus, ce peuple ici que nous sommes en train de voir gouverner, ils étaient esclaves des pharaons, on le sait. Ils ne sont pas sortis avec les armes comme nous, venus avec des flèches et aussi des talakans, des choses comme ça pour pouvoir combattre. Non, ils sont sortis avec un homme qui avait un bâton. Amen. Mais c'est quand même extraordinaire. Je me trouve devant un peuple
qui a une histoire particulière. Amen. Moïse l'a dit. Interroge les temps anciens. Amen. Si une chose pareille s'est déjà passée. Depuis les générations qui, depuis que la terre existe, qu'un Dieu soit descendu. Et ça c'est sûr. Qu'un Dieu soit descendu. Et qu'étant descendu, il a pris possession. Et tout le monde pouvait voir que c'était Dieu. Amen. Il nous a amenés devant la mer rouge. Tout le monde le voyait. Pharaon est même venu avec ses yeux et l'a regardé. On peut penser que c'était nous qui avons fait quelque chose. Mais là, on était devant la mer rouge. Moi, je n'ai absolument rien fait. Je suis un homme. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu? La mer rouge s'est ouverte. Pas par ma main, mais c'est Dieu qui l'a ouvert. Donc, il était là, il faisait des choses. Tout le monde pouvait voir effectivement que Dieu était vivant. Donc, c'est Dieu qui combattait pour Israël. Tout au long de son cheminement. Donc, effectivement, cet homme, parce que la Bible dit de Corneille qu'il craignait Dieu. C'était un homme pur. Donc, quand il a simplement observé et entendu et vu effectivement comment les choses s'est passé, comme lui pouvait dire qu'après avoir fait des recherches exactes, les choses qui ont été transmises, effectivement, je vais les mettre par écrit. Excellent, Théophile. Afin que tu aies la certitude, en fait, dans ce que tu as. Vous voulez, non? Okay. Donc là, effectivement, Corneille a eu le pouvoir. Parce que quand il était là, il regardait, effectivement, comment ce peuple avait cette dévotion, ce qu'il aimait tellement, c'est Dieu qui allait prier, qui ne voulait pas se mélanger les choses, effectivement, des Romains, il voulait rester dans ces choses avec Dieu, la loi, effectivement, parce qu'il y avait des pharisiens, des publicains, tout ça, avec Dieu. Vous voyez la différence aussi entre ceux qui sont aussi là-bas, en Italie, à Rome. Voilà, bien. Voilà que son cœur était vraiment touché. Et maintenant, la crainte a saisi son âme. Il dit, mais s'il prie ce Dieu, moi, au lieu de prier Jupiter, qui est une masse de terre, parce que Jupiter n'a rien fait, on a fabriqué des histoires, effectivement, mais celui-ci, on voit la réalité. Et c'est Dieu, son histoire, c'est ce peuple, son histoire est vraie, que ce Dieu est vivant. Alors, moi, je ne peux que chercher à invoquer ce Dieu. Et ça, les Juifs ne le savaient pas. Que c'est quelque chose qui était dans le cœur de Corneille. Et voilà que ce Corneille-là, dans cette crainte, effectivement, et comme il a eu à pouvoir connaître effectivement que c'est Dieu qui est le Dieu, Israël est un Dieu vivant, vous savez que s'il s'accrochait à lui, effectivement, c'est Dieu le protégerait parce qu'il cherchait la protection de ses yeux. Et il a commencé à pouvoir prier. La Bible dit que cet homme est un homme pieux. Il craignait Dieu. C'est extraordinaire que ce qui est très touchant, c'est de pouvoir voir que lui qui était un centenier, qui avait des soldats, effectivement, sa piété, sa crainte de ses yeux était quelque chose de réel. À tel point que même ce soldat, vous avez dit ça? Quand il a envoyé les gens pour aller à Jopé, c'était qui l'a envoyé? Vous vous souvenez encore? Amen. Est-ce que vous vous souvenez vraiment? Amen. Ah, vous avez bien apprécié. Et alors, il appelle un des soldats qui était attaché à un soldat pieux qui était attaché à sa personne. Alors, voilà que. Pendant qu'il était dans le mois prier, effectivement, Dieu, et puis il avait la crainte, j'avais seulement pour être entendu simplement, mais il croyait en ce Dieu, il priait avec crainte, il s'est donné de tout son cœur. Il voit l'ange qui lui apparaît. Cet ange qui lui apparaît lui dit, mais Corneille, c'est très touchant, un homme de nation. Les choses pareilles, il ne les fait pas encore lui pendant les temps. C'est là qu'il soit parti chez un juif, effectivement, qui était là pour lui parler. Non, il est allé chez un homme des nations. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Un homme des nations, l'ange, il voit, il dit, Corneille, tes prières à toi et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu ça m'est souvenu. Amen. Donc, frère et ma soeur, la prière a une grande importance. Amen.
pour un croyant. Et voilà comment le Seigneur dit ici, dans cette vie, il dit, mais pour que nous puissions réaliser qu'il est important de prier et de ne point relâcher. Car il dit ici, bon, chapitre 18, verset 1, mais pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On doit savoir effectivement pourquoi on prie, qu'est-ce qu'on demande à la prière. Les disciples avaient vu effectivement comment les autres priaient, et puis ils ont demandé au Seigneur, mon Seigneur, notre nom, apprends-nous à pouvoir prier, parce que c'est vraiment important aussi pour nous, comme Jean en a fait pour ses disciples, apprends-nous à pouvoir prier. Vous connaissez la réponse. Le Seigneur a dit, mais lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines redites. Parce qu'en fait, quand on prie, on exprime ce que nous avons dans notre cœur. Nous voulons dire à Dieu ce que nous avons parlé à Dieu, comme on parle effectivement à son Dieu, à son Père. Donc lui exprimer effectivement ce que nous avons dans notre cœur. Qu'est-ce que nous désirons? Il faut que le désir soit aussi clair pour toi-même. Amen. Ça ne sert à rien de multiplier beaucoup de choses en une fois. Non, il faut que quand tu te mets à genoux, tu veux prier Dieu. Pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu veux? Comme je le disais hier à la sœur où j'étais parti pour voir prier, je lui fais savoir que Dieu bénisse notre sœur. Et c'est la sœur Sonia, si vous écoutez le roi. Je dis, ma sœur, tu vois, cet enfant ici, Dieu est capable de pouvoir te donner. Ce qu'il y a, c'est ce que vous voulez. Je posais la question à la sœur pendant qu'elle me parlait, puis je la regardais, puis je lui pose la question, je lui dis, ma bien-aimée sœur, je voulais savoir. Est-ce que vraiment tu aimes cet enfant ici? C'est profond toi-même, tu l'aimes vraiment. Alors, elle m'a regardé, j'ai dit, mais, vous savez, la question que je vais te poser, ça te semble banale. Banale, ça va. J'ai dit, mais c'est comme le Seigneur Jésus, quand il a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? C'était simple. Une question banale. Regardez-nous pour se dire cela. Mais vous avez vu combien difficile était la réponse qu'il fallait donner. Question banale, parce que bon, on dira, pourquoi elle peut poser une question pareille? Mais donner la réponse, c'est problématique. Les uns disent que tu es ok, les uns ont dit, et vous, ils sont devenus muets. Non? Ah oui, vous dites, oh moi j'ai dit, frère, toi tu es venu, personne n'a pu répondre. C'était banal ça. C'est la même chose aussi, comme je te pose la question. Je sais pourquoi je te pose la question. Est-ce que tu aimes vraiment cet enfant? Mais quand vous voulez quelque chose, à part du Seigneur, puis je vais donner aussi un exemple en disant, tu te souviens, mon bien de mes soeurs, dans les Saintes Écritures, quand les Seigneurs passaient, puis il y avait un aveugle le parti, mais il a commencé à crier. C'était un aveugle, non? Et le Seigneur, il est merveilleux. Il est passé là pas par hasard quand même. Il savait qu'il y avait un Bartimée là. Qui était un aveugle, c'est pas pour rien qu'il est passé par là. Amen. Et puis maintenant, quand Bartimée a commencé à crier fort, on le fait de terre, le Seigneur savait. Puis il dit, mais laissez-le venir. Il est venu. Et puis il le regarde bien, il voyait bien qu'il était aveugle. Mais il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Quand nous lisons les Saintes Écritures, mon frère et ma soeur, on va bien prêter attention. Amen. Il est temps d'être effectivement comme des enfants, d'être effectivement comme les gens qui sont simplement dans un mouvement, ou bien d'une manière aussi formaliste. Frères et sœurs, ça doit terminer. Amen. Chacun de vous doit être conscient et se transposer effectivement parce que on va partir bientôt. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Je vous l'avais dit depuis le début de l'année, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai, frère et sœur. Amen. Sûr et certain. Mais c'est vrai, je sais très bien que la plupart, quand j'ai dit, il doit y raconter des âneries, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez quand même qu'au fur et à mesure qu'on avance, Dieu a compris. Amen. Nous devons être conscients de ce que nous sommes, de ce que Dieu est en train de faire
avec nous. Donc, effectivement, il lui a posé la question, en le voyant même là devant, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oui, Bartimée devait dire ce qu'il voulait, dans ce cas, que le Seigneur fasse pour lui. C'était le désir le plus profond. Alors, j'ai dit à ma soeur, mais vous savez, quand je pose cette question, parce que le Seigneur a dit une chose dans le sein de ses médias. Fais donc des seigneurs de tes délices, n'est-ce pas? Ce qui est écrit dans le Amen. Fais des délices donc des seigneurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une parole, je lui ai dit, mais c'est une parole, mais en fait, on limite à l'heure de chercher. Tu vas faire, mais c'est dans l'ensemble du tout. Il faut savoir que qu'est-ce que nous désirons, parce que Dieu veut sonder nos cœurs et nos âmes. Et quand nous approchons de lui, c'est pourquoi d'ailleurs, dans le psaume, il dit, mais ouvre ta bouche. Et j'ai la remplir. Quand on loue Dieu, il ne faut pas. Vous savez, c'est étonnant de voir que tes frères, entre parenthèses, et des soeurs, ils sont dans l'assemblée. On dit on loue Dieu, ils sont muets. C'est pas normal. J'aime beaucoup mon frère Rosario. Ah, Rosario, c'est mon frère. Rosario, c'est à lui qui n'a pas dit que j'ai appris les déchemins. Au frère. Tu connais déchemins, au frère? Vous connaissez déchemins, au frère? Qui connaît déchemins, au frère? Je vois, ah, mon frère, il est derrière. Vous ne connaissez pas bien les décimés, l'offerte. Et pourtant, on nous dit décimés, offerte à tout le monde. Décimés et offerte. Je suis assis là-bas, je dis alléluia. Décimés et offerte. La dîme et les offrandes. Frère Rosario. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que quand il passe ici, du haut de la chair, alléluia. Je ne sais pas bouillir en français. Il est à l'aise dans sa langue. Il ne s'occupe pas de celui qui est guidé. Non, ce n'est pas son problème. Amen. J'aime des hommes comme ça, mon frère. Amen. Il se tient là, il prie dans sa langue. Et on est heureux. Amen. Et tellement il est en esprit, on comprend. Amen. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, prie dans ta langue si tu veux. Amen. Amen. Et c'est vrai, pour moi, si tu ne parles pas bien, c'est pas. Le français, c'est aussi une langue, il n'y a pas de parler. En fait, mais tu n'es pas obligé de chercher comme Corneille, de parler, comme je ne sais pas qui. Non! Comme Dieu. Les autres, ils restent à la maison, ils bloquent une prière là en français. Comme ça, ils disent, ah, yad, 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 oh, gloire à Dieu, que les montagnes sont hautes, que les vallées sont basses. Nous ne cherchons pas ça ici. Nous cherchons que tu viennes comme notre sœur Gloria. Quand il chante dans sa langue, tout le monde danse. Elle dit sa langue. On sent que là, Gloria y est. Là, on va se mettre dans sa langue, maintenant, Gloria. Je dis voilà ce qu'il faut. Oui, mon frère, vous n'avez pas besoin d'être dictionnaire trouvé. Non! Dans ta langue là! Dieu aime entendre ton cœur parler comme ça. Tu te sens bien, nous sommes heureux parce que, bon frère, vous savez, vous n'avez pas remarqué, mais ici, nous sommes des différentes tribus, différents pays. Quelle bénédiction. J'étais là-bas, j'ai dit, nos seigneurs, mais dans la santé. Oh, alors je vois, dit, mais nous avons aussi des gens de Myanmar, nous avons des gens de Chine, partout. Amen. Donc cette assemblée ici, c'est international. Amen. Donc chacun de vous doit sentir beaucoup plus à l'aise. Non, mais Seigneur, mais tu m'as donné la langue facile, c'est cette langue ici. Eh bien, nous, on est contents. Amen. Rien Dieu dans cette langue. En fait, Dieu veut que le cœur s'exprime. Amen. Parce que la langue, c'est vraiment du cœur. Amen. Amen. Pourquoi aurais-je honte de prier en guignol matasson? Non, si c'est le Kikwata, vous priez en Kikwata. Je ne sais pas, mais c'est vrai, frère. Il n'y aura pas dit, oh, tu pries en Kikwata, pas de problème. Kikwata, c'est malin. Et en Kikwata, je me sens bien pour prier, mon Dieu. Oh non, il faut les néerlandais. Non, si c'est pas néerlandais, oui. Mais si c'est Kikwata, alors je fais Kikwata. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Je crois que dans les choses de Dieu, il faut que nous connaissions Dieu. Amen. Que nous sachions que nous sommes un peuple libre, frère. Amen. Et Dieu, notre Seigneur, veut que nous puissions être dans cette liberté
On n'est pas que nous tombions effectivement en disant, oh mais quand je vais prier un kekapwata, les voisins vont dire, il parle que les kekapwata ici, il faut parler français. Ce sont des étudiants lettrés. Lui-même, il est loin de la foi de Dieu. Moi, dans mon kekapwata, là, je me sens prêt. Mais chez moi, dans le kekapwata, je me sens prêt. C'est vrai, frère, c'est ça. Dans la maison de Dieu, on doit sentir libre. Amen. Prier Dieu, effectivement, de tout mon cœur. Quand je me sens bien dans le kekapwata, je prie. En français, je prie. En irlandais, je prie. Chacun se sent bien dans la langue, dit, mais ici je parle, j'ai dit, glorie à notre sœur, il faut l'entendre ici, demande-lui en anglais, ça ne va pas bien passer, mais donne-lui ta douche. Quand vous sentez que Gloria est dans son élément, hein. Qui ne voudrait pas être comme ça? Amen. Il sent qu'il veut même s'envoler dans les ciels. Amen. Et c'est ça que Dieu attend. Amen. De pouvoir réellement être comme Dieu. Parce que j'entends, aimer, je ne suis pas américain. Alléluia, glory to Jesus. Mais je suis ici. Quand je parle étranger, ils sont des anglophones, je prêche en anglais. Mais ici, alléluia, aimer. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient anglais. Moi, je suis pas anglais. C'est vrai, frère. Je suis ici. Dans notre langue, ici, on dit Amen. Amen. Et Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Glory to Jesus. Si je vais aux États-Unis, oui, je comprends. Mais c'est vrai, frère. On joue avec les gens pour les choses inutiles. On doit être naturel. Amen. On doit être vrai dans les choses de Dieu. Amen. Et vivre cette parole de côté. Alors, il faut donc rester humble. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là, il nous montre, effectivement, nous donnant, effectivement, ces paraboles en rapport, merci, mon bébé. Rapport avec, ça, c'est quand même extraordinaire. Avec ces juges, il dit, pour que le croyant soit vraiment fortifié dans sa foi, et surtout qu'il réalise qu'effectivement, que quand vraiment, mon frère, ma soeur, quand tu te mets à genoux, sincèrement, devant Dieu, avec larmes, Dieu t'entend. Sur les certains frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'il faut que le mur tremble. Non. Là où vous êtes effectivement avec votre foi, là, Dieu vous a entendu. Amen. Il reconnaît effectivement, il priait, mais il persévérait. Peut-être qu'il pouvait penser que Dieu n'entendait pas, qu'il ne voyait pas. Non, l'ange lui a dit, tu sais quand tu pries là, mais Dieu te voit. Amen. Tout ce que tu fais comme au monde là, parce qu'il ne le faisait pas parce qu'il était obligé, mais il le faisait parce qu'il honorait ses dieux. Mmh. Et il dit, mais frère, c'est vrai, j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, pour faire ce difficile, mais vous savez que chaque centime que vous donnez, de tout votre cœur, parce que quand vous faites pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, sûr et certain, que vous aurez toujours une récompense. C'est vrai. Amen. Dieu est un Dieu de sa parole. Dans Malachie, il a dit, mettez-moi de la sorte de l'épreuve. Et ça, c'est vrai, il vous bénira. Amen. Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas, demain, vous le verrez. Le Dieu de la Bible, oh frère, sois simplement fidèle. Amen. Fais ce qu'il t'a dit de quoi faire. Amen. C'est comme une semence, frère. Quand vous l'avez mise dans la terre, demain tu vas trouver que la poussière? Non. Soyez patient. Amen. Après demain, il n'y a rien. Après demain, rien. Et puis, tu as peut-être un peu oublié comme ça. Oui. Un jour, tu passes, paf, il est sorti. Amen. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. S'il a dit une chose, c'est sûr et certain. Alléluia. Moi, je m'accroche là-dessus. Amen. Et s'il a dit, demandez, vous recevrez. Eh bien, moi, je sais que tu ne demandes pas en l'air. Je demande et je suis sûr et certain que je veux recevoir. Amen. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Amen. C'est vrai, parce que là, je sais qu'il s'agit effectivement de pouvoir demander au Seigneur et prier. Et prier sans relâche, hein, pour ne point se relâcher, parce que on peut commencer et puis à ce moment-là, on arrive à pouvoir commencer à pouvoir un peu se rétracter d'une certaine manière, ce que Dieu veut, ce qu'on puisse continuer à persévérer. J'ai donné aussi cet exemple aussi à ma bien-aimée sœur. Mais le Seigneur est bon, il aime bien nous éprouver aussi, parfois on ne se rend pas compte. Nous demandons et puis on ne voit rien qui passe. On commence à pouvoir se gratter.
se pose la question, mais est-ce que vraiment... Alors regardez ce qu'il a fait avec la femme syrophénicienne. Vous connaissez, non? Et j'aime beaucoup cette femme. Et cette femme, elle vient, effectivement, avec son problème, et suivait le Seigneur. C'était pas l'apôtre qui suivait, c'était pas, mais c'était le Seigneur lui-même. Et ça, ça m'a toujours frappé aussi. Et voilà que, pendant qu'elle criait, et les gens disaient au Seigneur, les apôtres disaient au Seigneur, mais Seigneur, envoie-la quand même. Vous suivez? Mais le Seigneur n'a rien dit. Le professeur m'a dit, mais vous n'avez pas pitié? Il n'a pas dit ça. Il continuait simplement son chemin, puis bon, les laissait. Il dit, mais elle nous fatigue ici en criant derrière nous, dit, mais il faut la renvoyer, sinon on n'a rien à faire avec. Et puis il leur a donné raison. Mais oui. Parce que quand la femme s'est approchée, elle dit, mais madame, je ne peux pas donner le pain à adopter les enfants au chat. C'est vrai, non? Je ne peux pas prendre ce qui est aux enfants et donner au chat. Et pour la faire comprendre que tu es une chienne. Tu n'as rien à voir ici. Malgré que tu as crié après moi, Seigneur, Seigneur, tu dis que tu es une chienne. Frère, il faut avoir du courage. Vous savez, nous lisons. Hein. Mettez-vous, vous venez chez Frère Léonard. Bon, je suis un homme. Vous venez là, après. Ah, notre pasteur dit, écoutez, tu n'es qu'une chienne, je n'ai même pas besoin de te voir ici. Va-t'en. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Ah, là, 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 là. Il m'a traité des chiennes, moi, les fils, moi, la fille. De... Directement, la nature ressort. C'est vrai. Je vis simplement, parce qu'on peut vous éprouver aussi. Hein. On va aller voir comment les trompettes vont tromper ici. Et on va connaître. Et vous nous avez dit, c'est vrai, vous vous souvenez encore. Maintenant, on a vu la chose en face. Moi, pas que lui, il m'a traité des chiennes. Et là, c'était le maître lui-même. Regardant la femme, frère, si c'était toi, soeur, qu'est-ce que tu y aurais? Il dit, mais je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Le maître du ciel de la terre, le bon, il n'y a pas de bon qui est le bon. Le merveilleux, le glorieux. Amen. Il traite la personne qu'il appelle Rabbi Maître. Seigneur! Parce que cette femme, quel mal avait fait. Elle venait avec son souci, effectivement, courir après. Et le Seigneur l'a regardé. Même les disciples avaient dit, mais renvoie-la. Il n'a rien volé. Il avait une peine, il avait un souci dans son cœur. Regardez, c'est important, frère, parce qu'il faut vous attendre. Parce que souvent, on dit, quand je vais aller comme ça, le Seigneur va agir comme ça avec moi. Il ne faut pas s'attendre à Dieu comme vous pensez. Parce que la femme de l'État, on dit, mais comme je suis une femme avec le souci de maladie, quand je vais arriver, il va avoir pitié de moi. C'est le contraire qu'il a trouvé. Vous aussi, soyez armés. Parce que avec Dieu, on ne s'habitue pas. Avec Dieu, on ne va pas dire, mais quand je vais aller, il va faire comme ça. Non, mon frère. Non, oh, parce que je vais être là, prendre la tête de la tristesse, effectivement, alors Dieu va faire. Non, mon frère. Dis simplement, Seigneur, aie pitié, accorde-moi la grâce. Pour savoir ce que tu attends de moi. Et là, il dit à la femme, oui, mais tu n'es qu'une chienne, effectivement. Oh, frères et sœurs, la nature, vous savez, une véritable femme qui est une beauté, c'est l'intérieur, frère. Vous pouvez la frapper. Ma politique, pourquoi tu m'as fait ça, hein? Je suis aussi pareil, quand même. Toujours comme ça. Il faut les éprouver, hein. Et douche là, bien. Maintenant, frappe un tout petit peu. Je n'ai pas dit de le frapper la sœur. Non, c'est exemple. Oui, frère. Un frère ne va pas faire ça. Hein? C'est simplement un exemple de le podcast. Pas demain, il faut parler des guinous. Ça, il ne faut pas faire ça. Donc, je donne un exemple en disant, voilà, quand vous voyez, boum, sort de l'église. Là, il faut encore retourner vous dans la chambre pour elle. Tu te couches par terre, tu implores la grâce de Dieu. Seigneur, aie pitié, vraiment. Je te demande grâce, change le cœur, change l'âme, change le cœur. C'est vrai. Mais là, on lui dit qu'elle est une chienne. Oh là là. Elle se plie encore par terre.
Non, c'est une, elle était une femme noble. Amen. Quand on parle en noblesse, la voici. Amen. Et c'est dit encore par terre, dit, mais oui, Seigneur. Je suis une chienne, je reconnais, Maître béni. Moi ici, je suis une chienne. Parce que si toi, tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Amen. Mais c'est la vérité quand même. Amen. Si lui, il l'a dit, c'est que c'est la vérité. C'est une grâce, frère, de connaître le Seigneur. Parce que souvent, avec nos soeurs, vous le savez, vous, qu'est-ce qu'a le frère t'a dit que je suis à la maison? Non, moi je crois que tu dois, d'ailleurs, je pense que tu commences à sauter ta place de frère. Ah bon? Oui, parce que dans la Bible, c'est pas comme ça que c'est dit. Hein? Moi je sais que dans la Bible, toi, en tant que frère, tu dois quand même écouter ce que la soeur dit. Je n'ai pas encore bien vu ça. Mais bon. Là, c'est la version changée de la soeur. Il faut quand même que tu m'écoutes. Parce que moi, je vois bien ce qu'il faut faire. C'est toujours comme ça, en fait. Les soeurs ont tendance à pouvoir penser qu'elles voient bien. Mieux d'ailleurs que les hommes. Oui. Mieux que les hommes. Je me suis laissé faire. Je sais quand même. Ah oui, je me suis laissé faire. Mais tu dois savoir que je connais quand même mes droits. Bon, cette fois-ci, je me suis laissé faire. Vous savez, j'ai toujours eu ce témoignage en fait de cette soeur. Je sais que la plupart des gens ne s'appelaient pas aux soeurs, mais enfin bon. Cette soeur dont son mari était ivrogne. La soeur connaissait ses droits. Vous vous souvenez? Et ces gens-là, ils sont venus, ils ont pris les œufs, ils ont mangé, ils ont jeté contre le mur. Il était dans son droit. Moi, je me suis dérangé. Je me suis levé. Je vous ai servi. J'ai même cassé les œufs. J'ai préparé les œufs. Je vous ai donné de tout mon cœur. Et vous jetez ça contre le mur. Je dois ramasser. Et mes assiettes. Et mon mur tacheté. Et puis je dois encore faire part. Autre chose? Non, sortez par terre. Non, mais c'est vrai parce que c'est quand même pas ça ce que le Seigneur a dit. Mais c'est le moi je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire. Vous avez exagéré. Et puis, d'ailleurs, si je demande quand même aux frères tels, il va vous faire savoir que c'est vrai. Ils ont des frères. Hein. Mais c'est vrai. Mais c'est comme ça que vous êtes frères. Exact. Vous ne vous contentez pas de ce que Dieu vous dit ici. Les téléphones qui viennent passer par là. Vous pensez que je suis pas au courant? On vous envoie des petits coffres, des petits emails, des petits textos, évidemment. On vous envoie en cachette, je sais. Mais ce que les gens ne comprennent pas, j'ai dit, mais je n'ai pas un Dieu aveugle. Amen. Mais c'est vrai. Parce que vous, avec toutes les épreuves que moi, par lesquelles je suis passé, Dieu m'a gardé avec. Ça, mon frère, moi. On grandit. Amen. On grandit dans les choses de Dieu. Et Dieu les attend. Mais voilà que elle, elle savait ce qu'elle était. On a jeté la nourriture contre le mur. Elle a dit dans son âme à elle, j'ai le droit, c'est vrai. C'est mon droit de dire, non, monsieur, je t'ai rendu un service. Ici, alors là, ce que tu viens de pouvoir faire là, c'est pas normal, alors tu sors du chemin. Je t'ai accueilli, tu n'as pas respecté les portes de la maison, pas tant. Évidemment, il y a des gens qui vont soutenir ça. Bien sûr, comme vous dites ça. Ils sont très clairvoyants parce qu'ils savent mieux. Évidemment, ils vont vous fortifier dans votre position. Nous allons y arriver, frère. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais vite courir. Oui, bien sûr. Mais la soeur, avec la cantique qu'elle chantait, elle disait ça. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Elle a choisi elle-même de pouvoir abandonner ses droits. Elle dit, mais Seigneur, j'ai les droits. Oui, c'est vrai. Maintenant, je ne veux pas prendre mes droits. Je veux prendre ce que toi, tu veux que je prenne. Et là, vous savez, si quand quelqu'un te fait du mal, toi tu lui as fait du bien, il te fait du mal, c'est difficile, dur de lui faire du bien. Vous pouvez tout me dire, c'est que c'est pas vrai.
Ce qui est vrai, c'est que c'est difficile de lui faire du bien. Parce que c'est votre orgueil qui est touché, c'est votre... Vous avez fait tout le bien pour la personne, et puis le lendemain, il se lève, il peut vous traiter de tous les noms. Mais regardez cette sœur. Ce qu'on a fait, effectivement, elle se lève encore vers ces gens-là, il dit, pardonnez-moi. Oh là là. Si je ne les ai pas bien cuites les œufs, frères et sœurs, nous sommes encore loin. C'est vrai, nous chantons, c'est vrai, nous faisons, mais nous sommes loin. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est vrai. Et il dit, si j'ai mal fait les œufs, pardonnez-moi. Non, Dieu bénisse cette sœur. Ça, c'est la crème. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Et lui, je vais encore le faire. Elle ramasse les assiettes. Elle était sincère, effectivement, dans son âme. Parce que là, c'est, la personne s'est humiliée et ne se regarde pas comme je dois me faire honorer. Non, je dois simplement accepter ce que Dieu veut, même si elle est un tonchon. Mais pour la gloire de Dieu, je le fais. Elle ramasse, effectivement, elle rentre dans la cuisine. Elle chante son cantique. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Il y en a aussi une pour moi. Elle fait encore le œuf. Quand elle retourne avec le œuf, c'était dans la graille au sang. Les gens m'ont dit, c'est pas possible. Une femme normale ne peut pas faire ce qu'elle a fait. Celle-ci, non, il y a un Dieu qui change les femmes. Amen. Madame, où est-ce que tu pries? Amen. Ma soeur, tu es aussi une ambassadrice. Amen. Amen. Il y a quelque chose de Dieu en toi, soeur. Non, tu n'es pas comme ce soeur dont on parle, des frères, qui sont comme des chaînes. Non, toi, tu n'es pas une chaîne, ma soeur. Amen. Toi, tu es une fille d'Abraham, au travers de laquelle Dieu veut se glorifier, Amen. Être honoré. Et ton langage à toi. Et bien sûr, toi, soeur, tu peux faire mettre ton mari à genoux. Amen. Exact. Qui dira, qui dit, moi je suis le masculin. Souvent ça, c'est le problème avec les hommes. Je viens, je vais te montrer aussi que je suis homme. D'ailleurs, toi, tu vas être soumise. La Bible dit soumission, soumission, soumission. C'est comme si c'était un grand droit, je veux dire, qu'on leur a donné. Vous dire, ah, soumission. Mais soumission n'est pas dire esclavage, quand même. Amen. Amen. Tu dois faire. Tu es obligé parce que tu es une femme. Ce qu'ils ont oublié, ce que le Seigneur a dit ici. Chapitre, Ephésiens, chapitre 5, je vais aller vite. Chapitre 5, verset 25. Ephésiens 5, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Marie, aimez vos femmes. C'est ça, non? Amen. C'est écrit comme ça, non? Amen. Vous avez trouvé la page? Très jeune âge, tu n'as pas la même Bible que là. Ephésiens chapitre 5, verset 27. Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas vrai? Amen. Oh, tu dois, tu es comme un tonchon. Tu es obligé, comme dans notre pays, effectivement, on leur fait faire n'importe quoi dans ce message. Vous voyez, je vous l'avais dit une autre fois, non? Et à un certain moment, pour être une sainte, il fallait même pas se laver avec du sang. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait faire aux soeurs? Dans ce soi-disant message du temps de la femme. Par des prédicateurs. Vous souvenez quand même? Donc vous n'avez même pas besoin de mettre de l'huile sur le corps, même pas un peu de parfum. Parce que si vous mettez ailleurs. Je vous ai dit, c'était le même esprit de bondage chez les femmes. C'est les Arabes aussi. C'est vrai? C'est vrai. Alors vous imaginez? Parce que le prophète a dit, on a fait des sœurs ce qui ne devait pas être fait. C'est vrai. Et ça vous semble drôle quand même, c'est vrai, parce que vous êtes un peu silencieuse. Je sais pas. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est ça, en fait. L'homme avait toujours des gens qui dominent. Qui leur font faire n'importe quoi. Vous savez, si c'était quelqu'un qui vous faisait faire n'importe quoi, c'est comme dit, mais alors maintenant, vous savez, pour pouvoir venir ici à l'Assemblée, il vous faut mettre une jupe qui traîne d'ici jusque là-bas. Alors là, vous irez au ciel, vous le faire. C'est vrai, vous le ferez.
La plupart du temps, les gens, les choses qui n'ont rien vraiment, qui n'ont rien à voir. C'est pour ça, même dans, dans beaucoup d'églises, dans ce qu'on appelle soi-disant message du temps du soir, il n'y a pas grand-chose de Dieu. Mais ce qu'on a, c'est quoi? C'est la peur qu'on a. Les dogmes qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. La peur simplement, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, tu seras perdu. Mais je n'ai pas vu là où le Seigneur a dit, fais ça et tu seras sauvé. Vous direz, mes frères, j'ai quand même la même Bible que vous. J'ai quand même la même Bible que vous et moi. Ce que moi j'ai vu, c'est que le Seigneur a dit, nous sommes sauvés par grâce. C'est écrit comme ça, non? Amen. Alors, quand c'est une grâce, qu'est-ce que tu vas faire? Vous pouvez me dire ce que vous allez faire pour être sauvé? Vous pouvez me dire ce que vous allez faire pour être sauvé? Je vais gêner pendant 45 jours pour être sauvé. Ça, ce n'est pas écrit. Je vais porter de longues jupes qui traînent même la poussière. Ça, ce n'est pas sauvé. C'est pas ce qui est dit. C'est bizarre ce que vous entendez. Et pourtant, c'est la parole. Amen. Il faut bien lire, frère, ça. Il faut bien écouter. Sinon, on vous fait faire n'importe quoi. Et avec n'importe quoi, vous n'irez même pas au ciel. La brochure, quelle heure est-il? Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Oui. Qui sont ceux qui ont bien? Je vais juste voir. C'est vrai qu'il y a tout dit. Et pourtant, il y en a là. Prenez quand même le temps de pouvoir la lire, frère et soeur. Prenez le temps de pouvoir la lire. Si vous n'avez pas la voir en main, ben sur le site, votre frère Emmanuel l'a placé sur votre site. Eh bien, allez sur le site. Prenez le temps de pouvoir lire. Je vous le recommande. Lisez-le. Lisez-le. Première partie là, lisez-le. Quelle heure est-il? Lisez-le. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres. C'est écrit quand même, non? Amen. Avec personne. Ah ah! Ce n'est pas parce que je mets la jupe longue jusqu'au parterre que je serai sauvé. Amen. Non, messieurs. Oh, les messages, les messages, les messages. Il faut savoir ce que c'est que le message. Il ne faut pas qu'on ajoute quelque chose qui va être étrange. On doit prêcher la parole de Dieu. Quand Dieu veut que cela soit prêché et apporté. On n'a pas ajouté des dogmes, des rythmes, de ceci et de cela. Frères et sœurs, dans les choses de Dieu, j'ai toujours dit, Dieu n'oblige personne. Amen. C'est en fait, nous sommes libres de pouvoir et non prendre ou nous laisser. Et que Dieu nous donne, ça tu le prends. Et puis si vous n'allez plus bas dans le verset qui est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Je vais vous lire Éphésiens, vous trouvez ça dans la Bible, effectivement, chapitre 2, là, et verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est vraiment bizarre, c'est extraordinaire, c'est tellement si clair. Amen. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, n'est-ce pas vrai? Amen. Ce n'est point par les œuvres. J'aime Dieu vraiment. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Qui quoi? Pas que moi j'ai préparé, mais que Dieu a préparé d'avance. Amen. Nous entrons dans cela. Maintenant on vit et les choses viennent naturellement. Alléluia. Mais c'est vrai, je ne vais pas dire, mais sœur, il faut une longueur. Évidemment, évidemment, ça c'est dit que le diable sont là. Il ne faut quand même pas que la sœur me vienne avec une jupe comme ça. Est-ce que vous voyez où je monte? Ici. Vous voyez là où je monte? Bah, et puis, on voit, je ne sais pas si c'est l'un d'une sœur ici. Et puis, gloire à Dieu, ici quand même. Avec une jupe là, c'est pas normal. Ça, à ce moment-là, on lui fait comprendre. Non, sœur, pourquoi? Parce que Dieu veut que ton corps soit couvert. Amen. Amen. Imaginez, prenons un exemple. Ça, là, parce que c'est peut-être la peur, je suis comme ça.
Frère qui s'enchante des cantiques ici, tout d'un coup je rentre en cinglé. Ça vous fait rire. Je crois que personne ne va le dire. Tous on va pas. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi il faut rester là. Parce que dans les choses de Dieu, dans la maison du Seigneur, on doit savoir comment s'éteindre. C'est important, donc chacun de nous, quand on est bien couvert, c'est bien. On loue Dieu, c'est simple, mais c'est comme cela. Donc je crois que tant pour les frères que tant pour les sœurs, on doit savoir se couvrir. Et dans la bonne condition. Quand nous allons vite, effectivement, dans Luc au chapitre 18, effectivement, pour que nous puissions arriver là où nous devons. Regardez bien, Luc 18, question. Ça veut dire. Pardon, 18. Alors il dit. Donc il dit, il y avait donc dans une ville un juge guénique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard donc pour personne. Il y avait dans cette ville, effectivement, une veuve qui venait lui dire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, et ces juges, effectivement, ils refusaient tout le temps. Et là, maintenant, quand nous lisons les Saintes Écritures, il faut bien rester dans l'esprit. Parce que là, les juges ont refusé. Et puis, la femme venait. Il a bien dit le juge unique. Et aussi la veuve. Donc, cette femme était dans son droit, c'est un juge qui ne craignait pas. La Bible est claire, il ne craignait point Dieu. Parce qu'il ne faut pas partir de là, dire, comme le juge refusait, et que la femme, effectivement, malgré qu'il ne voulait pas donner le droit, et la femme a commencé à pouvoir frapper, ne soyez pas non plus vous comme Balaam. Parce qu'on peut penser, effectivement, que oui. Parce que quand tu demandes que ce soit Dieu, que Dieu ne te donne pas, et qu'il y a un blocage, ne force pas. Pour l'amour de Dieu, frère, ça c'est pour vous, frère, ça, pour nous tous. Ne force jamais. Quand Dieu ferme là, c'est parce qu'il sait que c'est mauvais pour toi. Amen. C'est pas... Ici, c'est tout à fait différent. Donc, il faut être dans la pensée. Qu'on ne puisse pas mélanger les choses, effectivement. Ici, c'est différent. C'est un juge qui est unique, qui ne connaissait même pas Dieu. Mais quand tu approches de Dieu et que tu dis, mais Seigneur, donne-moi ça et qu'il a fermé, ne force pas. Amen. Oui, certainement, tu vas forcer, c'est sûr. Tu vas devenir comme Balaam. Bien sûr, Balaam, évidemment, il a vraiment forcé Dieu. Ce qui est quand même extraordinaire. Et c'est là qu'on voit vraiment que c'est vraiment la grâce de Dieu quand on peut croire Dieu. C'est Balaam, mais il était un prophète. Vraiment un prophète. Dieu lui a dit, c'est ça la chose. Et il retourne encore pour pouvoir demander à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai droit, parce que Balak, il me demande de pouvoir aller. Qu'est-ce que tu demandes? Et si vous remarquez très bien, frère, dans le livre, nous avons lu, je pense, dimanche passé, il est parlé de la doctrine de Balaam. Et cette façon de pouvoir faire les choses selon l'esprit de Abraham est devenue une doctrine. Nous l'avons lu dans le Saint-Esprit. Donc, effectivement, c'était la chose qui commençait à être pratiquée par les gens. Et sans se rendre compte, mon frère, nous allons y arriver rapidement, hein, parce que là, et on tombe dans cela et très facilement. Pourquoi? Parce que on ne tend pas l'oreille. Parce que Dieu dit, puisque il y a tellement trop d'un bruit dans notre intérieur, les choses sont devenues un peu floues. Quand vous êtes dans une situation, que ce soit pour le travail ou pour quoi que ce soit, le conseil que les Saintes Écritures nous demandent, effectivement, c'est que quand tu ne vois pas très clair, mets-toi à genoux. Ferme les oreilles à tes pensées, à ton imagination, simplement ouvre ton cœur au Seigneur. Dis, Seigneur, ici je suis sincère. Aide tes tiens de toi. Voilà, j'ai ce travail qui est ici, où je suis là, qui est là, voilà. Et c'est vrai que là, on me propose d'avoir un salaire beaucoup plus grand. Humainement parlant, je sais que prendre le travail pour le salaire plus grand, c'est bon. Et ici, on me propose un salaire un peu moyen, mais ça va, c'est pas ça. Si moi, je dois faire le choix, je ne prendrai pas ce travail. Et celui-là, mais maintenant, Seigneur,
le cœur de ce travail. Tu voudrais que je puisse. Quand tu pries comme ça, sois sincère. Sois vraiment sanctifié. Pas, ben, je prie et prie pour que je dise, Seigneur, j'avais quand même prié, mais mon regard est toujours là pour le travail là qui bouge parce que. Et, mais Seigneur, donne-moi ta volonté. Je sais que c'est pas là. Seigneur, montre-moi ta volonté, elle est où? Frère, vous riez, mais c'est comme ça. Donc, tu cherches. Parfois, tu pries, tu ne veux pas que Dieu te réponde parce que tu es approché là. Toi-même, tu as peur du Seigneur. Réponds-moi. Réponds-moi. Comme ça. Dans le cœur, on a peur que Dieu nous dise que ce n'est pas là-bas, c'est ici. Alors, il faut simplement. Alors, ce maître Jésus dit, Seigneur, maintenant, je n'ai pas le choix. Dis-moi ce que je veux faire sur le Satan. Dieu, tu diras que voilà ce que je veux, moi, que tu fasses. Soit, il va te répondre, un jour tu viens à la réunion. Tu as prié à la maison. Tu viens à la réunion. Et pendant la prédication, tu entends, on prêche, on avait commencé par ça, paf, on est conduit. Je dis, pourquoi je vais, paf, mais c'est parce que Dieu veut répondre clairement à ta question. Tu voulais la réponse, la voici maintenant. Oh, mais Seigneur, mais tu as prié en disant, Seigneur, parle-moi. Mais là, tu viens, tu t'assieds, et dis, mais c'est pas ce travail-là qui est là-bas, mais c'est ce travail ici. Dieu te répond clairement. Et puisque ton cœur dans ce travail-là va dire, oh, est-ce que c'était vraiment moi que Dieu a répondu? Pourtant, Dieu te dit que c'est pas ce travail-là. Mais là-bas, c'est 5000, ici, c'est 1800. Dieu sait, est-ce que c'est vraiment toi qui as parlé par la bouche du frère ou bien, mais non, mais j'étais parlé en te disant, ne prends pas 5000 en 1800. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que 5000, ce qu'il y a derrière les 5000 là, dans un mois, trois mois, tu vas pleurer. 1800, tu vas faire 10 ans. C'est vrai. Et puis ça commence 1800, tu fais carrière, ça démonte à 2500. 3000, et puis 5000, tu es tranquille. Et là-bas, 5000, quelques temps après, les points. Toi, tu ne le sais pas. Mais il connaît le futur. Il connaît comment les choses vont. Il dit qu'on doit avoir confiance. Donc, nous prions effectivement. Il dit donc, priez, débipi, vers le verset 6. Il dit, le Seigneur ajoutant, entendez ce que dit les juges uniques. Et Dieu, vous voyez la différence? Il est unique et puis il revient maintenant vers Dieu, qui est plein de bonté, Dieu qui, frère, c'est vrai que, il a même dit, mais si vous déjà, homme assez mauvais, vous ne pouvez pas donner un serpent à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc la comparaison, elle est grande, n'est-ce pas? Et si il dit, mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc, moi, en tant que fils de Dieu, mon frère, quand tu pries, même si aujourd'hui tu ne vois pas le résultat. Par exemple, si tu es au chômage, un exemple, mais tu as besoin de pouvoir avoir un travail. Quand tu commences à pouvoir prier, Seigneur, je veux du travail. Et souvent, ce qui nous arrive, c'est que quand on prie comme ça, on veut que demain, quand on sort, et puis dans les annonces qu'on a eu à pouvoir voir, les envois qu'on a fait immédiatement après 2 minutes après ou le lendemain, réponse positive. Quand tu as prié, tu vois que ça devient négatif, tu commences à te poser des questions. Non, percevez. Parce que tu veux du travail. Et c'est vrai, mon frère et ma soeur, un fils de Dieu et une fille de Dieu, c'est vrai, un fils de Dieu est censé pouvoir travailler. Il ne faut pas rester là simplement comme ça, dire, oh, voilà, je reste au moment de la viande, de monter dans ma bouche. Non. C'est pas digne d'un homme. Un homme doit s'élever pour aller travailler. Et ça, c'est comme les gens. Aujourd'hui, vous pouvez faciliter, effectivement, quand ils veulent. Et les grandes images, ça va pas tellement très bien, j'ai créé un moyen, pas, je fais l'église. Pourquoi? Pour les dîmes et les offrandes. Mais tu vas avoir des soucis. Mais c'est vrai, cela. Pourquoi tous ces problèmes faits dans l'église? Ici, les problèmes d'argent. Les gens, c'est pour former les églises, effectivement, pour que les frères et les sœurs, quand ils viennent avec les dîmes et les offrandes, c'est à moi. Et c'est pour moi. Donc, on est allé chercher le travail. L'apôtre Paul dit non. Ils sont là, ils disent, fait, ce sont les gens qui créent les problèmes. Ils aiment toujours, je vais prêcher, et je vais parler. Pourquoi? Tu es un frère, ce n'est pas tout dit parce que tu es un frère, tu dois prêcher quand même. Non, mais frère, imaginez. C'est ça le grand problème à ce message. Tous les frères
Je vais apporter une parole. Bon, on dit, frère, tu es venu dire les intentions à l'Assemblée. Alléluia! Gloire à Dieu. Oh, on va vous saluer par une portion de l'Écriture. On t'a dit simplement bonjour. Tu dis bonjour, frère. Frère, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être parmi vous. Tu veux communier avec vous. Bon, on va lire une portion de l'Écriture comme salutation. Nos prénoms, donc je ne sais pas moi quoi. Et notre Seigneur, il est bon. Voilà comme il a envoyé. Il me dit, mais frère. Bonjour, il est fini par pouvoir Malachi 14. Je ne sais pas moi quoi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de voir. Parce que, frère, tous les frères ne veulent pas se prêcher. Mais si tous étaient des prédicateurs, alors vous serez donc les âmes. C'est la vérité. Dans une assemblée où il y a trois frères, quatre sœurs, tous les frères sont des prédicateurs. Heureusement que les sœurs ne prêchent pas. Sinon, c'est vrai que vous devez se battre pour la chair. Et ça, on le trouve aussi dans le message du temps du soir. Et c'est comme s'ils ont. Ah, mais bref, mais bon. Chacun de nous doit arriver à pouvoir réellement se positionner. Parce que vous savez, frère, ce que ce frère fait, frère Christian, c'est une très grande bénédiction, frère. Amen. 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 Mais vous dites Amen seulement, vous n'avez pas compris. Je crois que l'une n'a pas compris. Vous savez, parce que c'est vrai, frère et soeur. Vous savez, frère, j'ai toujours eu à pouvoir dire. Un jour, on va fermer l'oreille. Mais quand tu as chanté, quand tu as glorifié Dieu, jusque là-haut, tu ne vas pas aller prêcher là-bas. Là-bas, je vais louer Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Beaucoup de frères n'ont rien compris. Amen. Ils n'ont aucune capacité pour la parole de Dieu, mais ils craignent. Bon, je avoir un don, frère. C'est dit, quand je regarde les gens, moi je regarde souvent. C'est dit, les gens ne voient vraiment pas. Frère, nous devons être reconnaissants à Dieu. Vous avez vu nos enfants? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Non, non. Vous ne voyez pas comment Dieu nous a bénis. Amen. Vous n'avez pas les yeux ouverts pour voir ce que Dieu est en train de faire. Nous devons vraiment revenir à genoux tous. Amen. Priez vraiment. Priez, frère, il fera de grandes choses. Amen. Frère, ces enfants, vous savez, j'ai vu les autres rassemblements, comment on fait pour les enfants, comment ils sont. C'est-à-dire, ces enfants, il n'y a pas de. C'est comme si on s'en forçait. Mais les vôtres ici. Ceux qui sont nôtres que vous voyez ici. C'est eux-mêmes. Amen. Ces enfants, ils aiment. Amen. On sent que c'est un œil comme ça. Amen. C'est une bénédiction. Amen. De les entendre chanter. Vous avez remarqué que les cantiques les plus compliqués, difficiles, Amen. Mais avec quelle aisance, frère. Amen. Comment ne pas faire quelque chose pour ça? Amen. 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 Vous ne pouvez pas rester insensible, frère, à voir cela, mon frère et ma soeur. C'est là que vous pouvez voir. Et la main de Dieu est dans le lieu où vous êtes. Amen. Parce que les enfants arrivaient à pouvoir, et les autres enfants, les amis, les animés, c'est cela. Mais aimer ce que vous voyez ici, chanter Dieu, s'accrocher à leur nom, que Dieu bénisse ses enfants. Amen. Nous avons suivi à pouvoir louer Dieu de Dieu. Amen. Et de notre âme. Et savoir effectivement que Dieu est vraiment très agi. Alors, il dit ceci dans le donc vous voyez comment je dévie ici. Donc il dit donc Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Donc regardez bien. Si le juge il dit qu'effectivement la femme le parlait effectivement la veuve lui même parlait, je dis fais-moi justice parce que c'est quand même mon droit. Et l'homme qui ne voulait pas, à force de pouvoir vraiment, même son cœur qui ne craignait pas Dieu, il dit mais par la persévérance de femme, un juge il dit qu'il ne craignait même pas Dieu, ailleurs pouvoir lâcher. À combien plus forte raison, Dieu qui aime exaucer les prières, n'exaucera-t-il pas vos prières? Il ne va pas, en fait, arriver à pouvoir. Il a une position de. Parce que
Le Seigneur aime aussi nous éprouver pour voir comment nous réagissons. Quelle est notre réaction en rapport avec ce que nous sommes en train de pouvoir. Pourquoi nous prions? Qu'est-ce que nous demandons? Bartimée, qu'est-ce que tu veux de moi? Il était aveugle, effectivement. Qu'est-ce qu'il pouvait vouloir de plus? Toi, qui es-tu? Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux vraiment de Dieu, en fait? C'est ça le problème. Vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, le Seigneur a dit, parce qu'il veut voir cela dans les fils de Dieu, en fait. Il dit, mais qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une couleur de sa vie? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quelle est la chose la plus importante qui te préoccupe, toi? Mon Dieu, comme elle est partie, mais qu'est-ce qui te préoccupe? Tu veux une grande maison? Tu veux des grandes voitures? Tu veux beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui te préoccupe? Vous savez, Bartimée était long aussi, hein? Il avait besoin aussi de pouvoir avoir des moyens financiers, parce que tout ce qu'il pouvait demander à Dieu, il allait donner. Mais qu'est-ce que Bartimée a demandé? Que je recouvre la vie. Qu'est-ce que toi aussi tu peux demander à Dieu en tant que fils et fille de Dieu? Et la chose principale qui te préoccupe? Là que tu dois savoir. Le verset suivant nous dit: je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. N'est-ce pas? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous avez remarqué qu'il nous a parlé de la prière, n'est-ce pas? Et puis maintenant, il termine par la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et là, je veux que vous puissiez prêter attention. Il a bien posé la question, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Regardez, dans les livres de Luc, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. Trouvez cela. C'est dans ce livre de Luc. Il y a un verset que je voulais lire avec vous. Au chapitre 17. Il dit, verset 20, il dit: les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il a répondu: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples: deux jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par ses générations. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous suivez? Voyez-vous, au chapitre 18, verset 8, il nous dit: je vous l'ai dit, il leur fera promesse. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous suivez? Alors, au verset 26, dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les déluges vint et les fit tous périr. Vous avez prêté attention à ce que j'ai dit ? Je relis encore le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, le temps de Noé ? Ça vous rappelle quelque chose ? Amen. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Noé ? Amen. Et comment les choses étaient effectivement ? Amen. Alors ici, il nous dit, mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vint et les fit tous périr. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée ainsi. Alors il parle effectivement en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Maintenant, je dis, je veux votre attention, s'il vous plaît. Chacun de vous, aujourd'hui, qui sommes assis ici, si on nous pose la question, nous dirons, nous avons la foi dans le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Mais ici, il pose la question que, quand il dit, le Fils de l'homme deviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, de quelle foi lui, le Seigneur, pense? Et de quelle foi le Seigneur attend-il effectivement sur la terre? C'est là que je voudrais votre attention cet après-midi, dont nous sommes à présent. Nous vivons dans l'âge de la Odyssée, qui est le dernier des âges. Et c'est vrai, frère et soeur, c'est l'âge qui verra certainement venir le Seigneur. Mais je voudrais quand même vous demander que vous soyez comme des aigles. Que vous vous levez un peu comme les aigles. Et qu'avec les yeux de l'aigle, vous puissiez un peu regarder un peu la surface, en fait. Alors, quelle est la condition que vous voyez, effectivement, au-dessus, quand vous voyez? Je parle, effectivement, de l'étang en rapport, parce qu'on parle de la foi, ça parle en rapport, effectivement, avec la chrétienté. C'est pas vrai? Quand on s'élève, effectivement, au regard, qu'est-ce qu'on voit? C'est là que c'est vraiment époustouflant. Si aujourd'hui, mon frère, toi, mon frère, et moi, et toi, ma soeur, nous pouvons être rassemblés en cet endroit, et c'est dire qu'effectivement, nous sommes des chrétiens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelle est la chose qui fait qu'effectivement, que nous puissions nous dire que nous sommes des chrétiens? Eh bien, c'est la foi. La foi fait de toi aujourd'hui, toi qui es assis. C'est-à-dire que moi ici, je suis un chrétien. Moi ici, je suis un fils de Dieu. Moi ici, je suis une fille de Dieu. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut
peut-être arriver en Allemagne. Donc, la foi est vraiment fondamentale. C'est quelque chose qui est d'une importance capitale. Si vous remarquez très bien dans 2 Pierre chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Faites tous vos efforts pour venir à votre connaissance. Vous avez bien lu là-bas la parole de Dieu, non? Faites tous vos efforts pour faire quoi? Pour joindre d'abord à quoi? Parce que d'abord, il faut qu'il y ait. Sans la foi, tout ce que vous bâtissez. Votre attention, s'il vous plaît, mon frère et ma soeur, ne sert absolument à rien. Frères et sœurs, c'est important ça. Aujourd'hui, si toi, tu peux arriver à valider que je suis sauvé, ce n'est pas parce que tu as mangé quelque chose. C'est parce que la foi a eu à pouvoir agir en toi. Et qui fait qu'effectivement, que tu as amené dans la réalité des choses, aujourd'hui, tu peux te dire que oui, parce que n'oubliez pas, frère. Il y a le ciel d'un côté, il y a l'enfer de l'autre côté. Tu ne peux pas être dans les deux à la fois. Est-ce que vous suivez? Amen. Soit vous serez là, ou soit vous serez ici. Maintenant, si longtemps vous êtes assis là, vous pouvez glorifier Dieu parce que vous avez encore la possibilité de pouvoir aller dans un autre endroit. Dans cet endroit ou dans l'autre endroit. Le jour où le souffle est enlevé, vous n'avez plus le libre arbitre, vous n'avez plus le choix, c'est terminé. Donc maintenant là, tu dois être sûr et certain. Et pourquoi? Quand vous jouez, frère, vous jouez avec vous-même. Mais c'est la vérité, 100% frère. C'est avec vous-même, votre destination, que vous jouez entre vous-même. Soit vous serez ici, soit vous serez là. Donnez-moi un peu le temps cet après-midi. Là ou là. Tout ça, le libre arbitre est appartient. Comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire, Dieu n'a pas fait de toi un robot, mais Dieu a fait de toi un homme qui peut faire son choix. Et voici, aujourd'hui, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Fais ton choix. Tu es censé pouvoir choisir ce que tu veux. Ton choix. Et ton choix va dépendre maintenant de ta destination. Et dis, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et quelle foi est-ce que Dieu parle-t-il? Et quelle foi que Dieu a? Mon frère et ma soeur, nous avons lu avec vous, effectivement, en parlant de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça nous conduit effectivement à ce que vous connaissez bien. L'enlèvement va avoir lieu, n'est-ce pas vrai? L'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu dans le premier âge. Pas même dans le deuxième âge. Ni dans le cinquième. Et le sixième. Parce que le septième, c'est l'achèvement. Ce que Dieu a établi. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand on parle, effectivement, votre attention. S'il vous plaît, frère et soeur, pour un temps, prêtez votre attention. Quand on parle des derniers âges, c'est là qu'on parle, en fait, dans les derniers jours. N'est-ce pas vrai? Amen. Oui. Maintenant, transpondons-nous, en fait, dans les derniers jours. Qu'est-ce que l'Esprit dit en rapport avec les derniers jours? Qu'on voit effectivement ce qu'il y a comme sémence dans les derniers jours, effectivement. Qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours? Prenons dans 1 Timothée, dans 2 Timothée d'abord. 2 Timothée, au chapitre 3. Il dit, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous suivez? Amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons,
hautain, blasphémateur, révèle à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réunissant ce qui en fait la force. N'est-ce pas vrai? Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce qu'on a énuméré. N'est-ce pas vrai? Alors quand on voit cela, on dit bien que c'est l'esprit en fait de l'âme, n'est-ce pas vrai? Vous me suivez? Amen. Ça veut dire que c'est l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge dans lequel nous nous trouvons. Parce que regardez une chose. Je lis le verset suivant, il dit, éloigne-toi ces hommes-là, dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent les femmes chargées de péché, agitées par les passions de l'espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Vous suivez? Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut aussi celle de ces deux hommes. Si vous avez prêté bien attention, effectivement, il est parlé, dit, réprouvés en ce qui concerne la foi, ça veut dire que ces gens dont il est question ici, il y en a de ceux-là qui sont effectivement, qui se disent de croyants, qui croient aussi. Regardez, vous direz, mes frères, on ne comprend pas tellement très bien. Prenons dans 1 Timothée. 4. 1 Timothée, chapitre 4. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressement. Vous suivez? Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie du faux docteur, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, certains aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec l'action des grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous avez entendu ça? Amen. Donc, effectivement, mon frère et ma soeur, il ne s'agit pas effectivement de quelqu'un qui vient comme un franc-maçon. Votre attention, je vous l'ai demandé tout à l'heure. Parce que quand c'est un franc-maçon qui vient, on va dire, mais attention à rien de moi, Satan, parce que Dieu est un franc-maçon. Mais là, écoutez très bien, effectivement, il nous montre clairement qui sont-ils, effectivement. Il dit, mais il dit, il précise ne pas se marier et les saluts d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Je vais encore aller plus loin, frère, pour vous montrer quelque chose. Que Dieu te bénisse. Pour qu'en fait, que le voile tombe que vous voyez. Actes des apôtres. Actes, chapitre 20. Je pense que c'est cela. Acte 20. Verset 22. Paul dit, et maintenant voici lié par l'Esprit. Vous comprenez, non? Et je vais à Jérusalem, mais ce ne sont pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme s'il m'était précieux, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Pas? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou prêtre de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Maintenant, prêtez bien attention. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30.
C'est là qui est important. Il dit, et qui s'élèvera du milieu de vous. Pas de l'extérieur. Pas des hommes qui sont des francs-maçons. Non. Du milieu de vous. Prêtez attention. Donc, du milieu de vous, c'est-à-dire ceux que vous appelez vos frères et vos sœurs. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Qui sera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Maintenant, je vais vous amener à quelque chose, frère, pour que les Écritures vous enseignent vous-même. 1 Jean, regardez. Vous avez entendu ce qui est écrit? Je le lis encore. Qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. N'est-ce pas vrai? Dans 1 Jean. Au chapitre 2. Verset 18. Il dit, petits enfants, vous suivez? C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Vous avez entendu? Oui. Donc en maison, on se trouve l'antichrist. Maintenant, la Bible dit, maintenant, écoutez bien, mais il y a maintenant plusieurs. C'est pas moi qui dis. Hein. Plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous allez pouvoir monter et prendre le vol d'un aigle, n'est-ce pas? Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Vous vous souvenez? Acte 20, nous retournons avec vous. Tenez la main là-dessus. Acte au chapitre 20. N'est-ce pas? Le verset 30. Et qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous suivez? Alors, au chapitre 1 Jean, chapitre 2, verset 19, nous l'avons d'abord verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. Car s'ils avaient été de nôtre, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de nôtre. Vous direz, mes frères, ça concorde avec quoi? Nous continuons l'écriture. Regardez bien. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Amen. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu de le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu au commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Je vous ai écrit ces choses au sujet de qui? De ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amen. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous retournons dans 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la perfection de la conscience. Et il prescrit de ne pas se marier, c'est un aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action des grâces, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. Regardez, frères et sœurs.
veut que les choses soient mises en place. Regardez. Pour que vous et moi, nous puissions réaliser, quoi que nous sommes, que nous sommes des chrétiens, que nous sommes fils et filles de Dieu, il nous fallait quoi? La foi. Mmh. N'est-ce pas vrai? Mmh. Oui. Mais alors, tu as la foi, c'est sûr et certain. Mmh. Mais pour que tu sois fils de Dieu, cette foi doit croire dans quelque chose. Amen. Dans quoi est-ce que la parole, la foi doit croire? Mais dans la parole qui dit que si tu crois en lui, c'est lui qui le reçoit, reçoit aussi la vie. Amen. Donc, il y a une parole, cette parole-là, elle n'est pas du prédicateur, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu t'es conformé à la parole de Dieu. Quand tu as cru la parole de Dieu, regardez très bien, frère. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Le fait de croire cette parole, il y a une action qui s'est produite en toi. Tu as réalisé, ce n'est pas une imagination, mais tu as réalisé dans ton âme que quelque chose s'est passé. Tu n'es plus la même personne. C'est l'action et la parole que tu as cru. Je vais vous montrer quelque chose. Nous sommes tous de coupables. Pécheur, effectivement, est souillé dans tout. Et comment aujourd'hui, moi, un chien qui était là, vautrant dans les saletés, je peux retenir aujourd'hui être appelé fils de Dieu. Vous me suivez? Amen. Parce qu'un fils de Dieu, il est saint, il est juste, il est vrai. Amen. Et moi, menteur, congé d'iniquité, effectivement, je peux me tenir aujourd'hui pour pouvoir dire que je suis un fils de Dieu. Et que je suis un saint. Regardez une chose. La Bible nous dit quelque chose. Et c'est fondamental. Que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Regardez, frères et sœurs. Je vais vous prêter attention d'abord. Nous sommes justifiés. Donc, la foi que moi j'ai dans le Seigneur, La foi. Cette foi que j'ai le Seigneur fait que moi ici, l'homme souillé, impur, fait que je devienne justifié. Alors, si la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi, elle dit que ma foi, en croyant à cela, je suis justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, un homme injuste et souillé, Dieu m'a rendu un homme juste. J'étais imparfait. Maintenant, par la foi dans la parole de Dieu, cette foi fait que maintenant je deviens injuste. Donc, aux yeux de Dieu, je suis juste. Parce que la foi, pas autre chose, mais la foi dans ce que Dieu a fait, m'a justifié moi. Donc, aujourd'hui, je me tiens là, je dis, je suis un homme justifié. Justifié veut dire blanchi. Nettoyé, ça veut dire blanchi, donc il n'y a plus rien du tout. Donc, ça veut dire que je suis devenu aujourd'hui injuste. Ça veut dire qu'un homme intègre, quand on parle de justifié, ça veut dire aussi intègre. Et ça, mon frère et ma soeur, c'est par la foi dans la parole de Dieu. Prêtez attention. Regardez, frères et sœurs. Donc, lorsque moi je crois ce que Dieu dit, la parole de Dieu, effectivement, fait en sorte qu'il y a un travail qui s'est fait au-dedans de moi. Moi qui étais un menteur, moi qui étais un voleur, moi qui faisais tout ce qui était mauvais, effectivement, la parole de Dieu a fait de moi quelqu'un de juste aujourd'hui. Et cela, je ne l'ai pas imaginé, en fait. Cette chose est une réalité. Amen. Parce que quand quelqu'un parle qu'il est justifié, ce n'est pas l'expression, en fait. C'est l'acte que le Seigneur a posé dans la personne. Et maintenant, cet homme qui est justifié, comme nous l'avons entendu, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. C'est-à-dire que quand nous étions charnels, nous avions nos œuvres charnelles.
est-ce que vous suivez Amen. C'est important, frère. Quand nous étions charnels, quand nous avons des œuvres charnelles, effectivement, maintenant que Dieu a fait de nous, il a fait de nous maintenant de justes. Quand j'étais charnel, je m'ai bien volé. J'ai rentré dans le magasin, comme nous avons parlé l'autre fois, et bien je ne voulais pas sortir sans avoir une chemise qui est de la plastique. Je rentre dans le magasin, ce que je vois effectivement dans la poche. Mais maintenant, je n'ai même pas besoin de caméra. Je rentre dans la poche, je vois où se trouve la caméra. Non, je suis à l'aise. Je rentre dans le magasin, il n'y a personne derrière moi, mais je n'ai même pas la pensée de pouvoir voler, mettre dans ma poche. Ce n'est pas possible. Mais hier, je pouvais le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on m'interdit, ça fait moi-même, je dis, mais ce n'est pas normal. Et puis d'abord, cette chemise, ce n'est pas à moi. Ça appartient à ces messieurs-là. Et si maintenant, c'était ma chemise à moi, que l'autre a volé, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une façon de réfléchir qui est devenue tout à fait nouvelle. Qui fait que tu trouves juste de ne pas voler. Ça, c'est fait, pas parce que tu as prié, tu as jeûné, mais c'est parce que ta foi à toi a cru. La Bible dit que nous sommes justifiés par les jeûnes et les prières. Non, messieurs, par la foi Amen. En Jésus-Christ. Amen. Donc, quand je crois maintenant, la parole de Dieu en laquelle j'ai cru, effectivement, fait maintenant que quelque chose s'est passé en moi, je pense droit et juste. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 3, nous avons dit, nous serons fanfarons, l'église se place ce matin. Vous connaissez, non? Amen. Quand, regarde, tout cela, effectivement, qui se passe fanfaron, blasphémateur, qu'est-ce que nous disons? Ce sont des croyants? Non. Est-ce que ce sont des croyants? Non. Non, pas du tout. Ce sont des incroyants. Donc, quand tu ne crois pas, tu n'as pas la foi dans la parole de Dieu, tu es un incroyant. Donc, il est normal qu'en tant qu'un incroyant, tu n'as rien à voir avec Dieu. Donc, tu as à voir avec quoi? Mais avec la nature que tu as. Insulter quelqu'un, ça ne te pose pas de problème. Avoir l'amour de l'argent, ça ne te pose pas de problème. Être le fanfaron, blasphémer, ça ne te pose pas de problème. Fumer, chiquer, faire tout ce qu'il y a, ça ne te pose pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est ta nature à toi. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas ce que dit la Bible. Mais lorsque tu crois en la parole de Dieu, quelque chose. En fait, c'est pour ça que je dis ceci que frère. Dans Dieu, dans la chose de dire, Dieu n'oblige pas. Je veux que vous prêtiez attention. Dieu n'oblige pas. Mais c'est quand tu crois cela, tu crois. Alors il y a quelque chose qui se passe en toi. Amen. Mais lui, maintenant, parce qu'il ne croit pas à ça, rien ne se fait. Il va vivre comme un mondain. Maintenant, regardez, frères et sœurs. Quand je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, qu'ils sont sortis mais de nous, je crois que les gens ont ouvert un peu les yeux. Ce que je veux, c'est que vous puissiez simplement suivre la parole de Dieu, que vous compreniez, frère, et il faut arrêter les émotions, arrêter effectivement ce que nous avons, comme vous savez, des copinards, des amitiés que nous avons établies, effectivement, parce que ça ne fera jamais de vous le fils de Dieu. Amen. Jamais, mon frère. Ce qui fera de toi le fils de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la foi dans la parole de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons dans la parole de Dieu unie, parce que nous croyons. Nous croyons quoi? La même parole qui est dans la Bible, mon frère. Quand nous croyons la même parole, effectivement, cette parole produit en nous. Quoi, effectivement? Mais c'est qu'elle est censée produire. Amen. Qu'il est doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Ils ont tous la même foi. Amen. Donc, je demeure avec. Je ne force pas d'être avec ma soeur. Pourquoi pas d'être avec mon frère? Non. Parce que nous sentons que quelque chose nous a dit. Amen. Pourquoi nous aimons la parole de Dieu? Amen. On ne sait pas dire, mais ma soeur, toi tu vas aimer Dieu comme ça, moi aussi je t'aime aussi. Non! Amen. Elle aime Dieu, la parole de Dieu, il aime la parole de Dieu, il aime aussi. Alors quand on se retrouve, alléluia, on sent qu'il y a du bonheur là. Amen. On ne veut pas se séparer, frère. Amen. C'est comme lui qui lit tout. Amen. Sur la barre qui descend sur la barre. Amen. Quand est-ce que la division entre, mon frère? Lorsque la foi n'est plus là. Amen. La
foi véritable, mon frère, crois la parole de Dieu, Amen. Et la vie de Christ se manifeste en toi. L'unité, mon frère. Amen. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'avaient plus la même foi que nous. Amen. C'est 100% vrai, mon frère. Ils sont attachés à des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils vous haïssent. Hier, ils vous aimaient. La parole de Dieu ne peut pas te pousser à haïr quelqu'un. C'est parce que ta foi n'est plus la même, mon frère. Alors, maintenant, si moi, je me lis avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi, qu'est-ce que je récolte? Tu n'avancerais jamais dans la parole de Dieu. Or, la Bible dit qu'effectivement, qu'il faut qu'on arrive à quoi? À l'unité de la foi. Amen. C'est pas question d'amitié, c'est pour ça. Écoute, Philippiens, nous avons réalisé ceci, frère. Arrêtez vos pieds là où vous êtes, mon frère et ma soeur. Amen. Il n'y a rien de Dieu, frère et soeur. Quand c'est quelque chose de Dieu, ça unit. Amen. Amen. Vous l'avez entendu? Amen. Ces hommes-là sortiront du milieu de vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enseigner des choses planifiées. Oh, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est mon papa. Frères et sœurs, ces choses-là ne sont pas dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu ne va pas vous prendre au ciel parce que c'est ton père, je l'étais là avec toi, puis on va monter au ciel. Non! Deux seront dans un lit. Amen. L'un sera pris, l'autre est laissé. Mon frère et ma soeur, il ne s'agit pas de famille ou de cousins, des oncles, oui, des femmes. Non, 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 non. Il s'agit de ta foi. Amen. 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 Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, ce n'est pas de cette foi que Dieu nous a donné. Nous sommes devenus des copains. Regardez autour de vous. Regardez ce que le soi-disant frère veut faire de vous. Hier, ils étaient avec vous. Ils priaient le même Dieu. Mais quand ils sont sortis du milieu de vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchent à pouvoir faire quoi? Ils ont mis à soi à gauche, à droite. Pourquoi? Et viens chez nous. Viens, on va faire. Ils cherchent à voir les disciples après eux. Et vous, vous lisez quand même la Bible, frère. Amen. Même si c'est ton cousin, Amen. Il s'agit de ton salut à toi. Amen. Non, ici, il ne s'agit pas de papa, maman, cousin, frère, oncle. Non, Amen. Il s'agit de Dieu, frère. Amen. Il s'agit de mon âme à moi, Amen. Mon salut. Même si c'est mon père, je vais donner un million pour être avec lui. Je dirais non, Dieu bénisse Isaac. Amen. Amen. Vous avez vu comment Dieu l'a utilisé cette Amen. Amen. Oh oui, c'est vrai. Amen. C'est un jeune, je pleure parfois pour lui. Il faut avoir beaucoup de courage. Mais il rencontre beaucoup d'opposition. Hein. C'est pas facile. Hein. Pas facile. Pas facile. Si un enfant comme lui. Vous savez, ce sera un jugement pour vous. Vous, frères et sœurs, vous savez, Dieu sait ce que vous faites. Je suis vraiment attristé de voir combien les frères sont devenus maintenant plongés dans les choses démoniaques. Satan joue tellement avec eux, ils croient qu'ils servent Dieu. Vos frères, vos cousins, vos oncles. Je prêche si tout le monde entend. Ils croient qu'ils servent Dieu, mais ils sont loin de la volonté de Dieu. Amen. C'est sûr et certain, frère. À quoi il dit fabriquer là-bas, on va faire, frère. Avec Dieu, on ne fait pas. Avec Dieu, on laisse Dieu faire. Amen. On n'a pas besoin de fabriquer. Frère, on va faire. Non, frère et soeur, je peux vous le dire. Moi, quand je pars en voyage missionnaire, comme la Myanmar, je n'écris jamais aux gens, invitez-moi chez vous. Non, Dieu se révèle à quelqu'un dans le bas-fond. Amen. J'ai jamais fabriqué, frère, des voyages missionnaires au début de. Non, frère, c'est eux-mêmes qui vous écrivent, mais et on vous invite dans notre pays. Je ne les connais pas. Amen. Dans les fins fonds là-bas. Dieu s'est révélé à eux. Amen. Frère, c'est, vous ne pouvez pas. Les gens fabriqueront, je vais partir, mais moi je ne cherche pas à partir. Amen. Je cherche à rester avec vous ici. Mais je peux vous dire, depuis que je suis rentré, les coups de fil viennent. Il faut que tu viennes, il faut que tu nous confirmes, il faut que tu viennes dans notre pays. À peine arrivé, mon frère.
Ça peut arriver, ma soeur. Il y en a des soeurs qui pensent que oui, ils veulent nous montrer qu'il va voyager, mais il perd leur temps. Moi, je suis tranquille chez moi, je dors, je dis, je ne veux pas le temps de me reposer parce que physiquement, hein, non, mais le feu, là, il faut que tu partes. Ben oui. On pense qu'on est tenté de fabriquer. On fabrique, je ne fabrique rien, frère. Je ne cherche rien, je ne demande pas aux gens. Invitez-moi, c'est vous, eux-mêmes, frère, dans les pays où. Même les moyens partout, là, dans le pays où, vous savez comment les frères étaient étonnés de voir que je suis rentré dans un pays où on dit, mais les gens qui rentrent là-bas, ils ne sortent pas. Mais j'ai dit, mais je suis rentré avec quoi? La Bible, oui. Je suis rentré. Et les bouddhistes ont cru. Ils ont cru à cette parole. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, je dis, j'ai même rentré, frère, ils sont. Nombreux qui ont cru à la parole de Dieu. Amen. J'étais là, j'ai dit ça à mes frères, j'ai dit, j'étais là en train de pouvoir prêcher. Il y a une dame qui était là, je dis, et tu vas te mettre presque à genoux et lever les mains vers le ciel. Et était comme ça, était comme ça. Je disais, alors quand j'ai terminé de voir prêcher, elle est m'asseoir là, sur cette dame. Je m'assieds effectivement, elle vient, une dame. Elle vient, elle prend sa tête, elle met sur ma poitrine. Elle commence à me faire comme ça. Oh, merci Seigneur que Dieu t'a envoyé. Vraiment, quelle joie, quelle joie. Oui, elle a 80 ans. Ah oui, parce que oui. Je commence à me voir. Ah oui, et il faisait comme ça la tête sur la poitrine. Vraiment, ah oui, je c'est pas moi qui dis, c'est moi qui dis, viens mettre ta tête sur ma poitrine et fixez-moi dans tes bras. Ils ont pas dit, le pasteur aime toujours. Donc ça, mais non, je suis là assis, il vient, poussé par Dieu, il vient, sur sa tête ici, sur, tout, devant tout le monde. Amen. Je me dis, ah, il nous voit repousser tout. Je dis, non, gloire à Dieu. Je suis levé la main. Ah, c'est pas moi qui ai demandé, mais je sais que Dieu l'a poussé. Amen. Elle était dans les larmes, tout le monde était touché. Mais voilà, présente, frère, ça, ce que Dieu fait, c'est pour ça que c'est pas l'œuvre de l'homme. Et quoi qu'on fabrique, je ne fabrique rien, frère. Amen. Ça, c'est le réveil là-bas, frère. Amen. Hey, nous devons avoir la foi. Dans la parole de Dieu, quand on croit la parole de Dieu, frère, l'amour vient, l'unité vient, pas la division. Amen. Même si on a un problème, on se retrouve. Amen. Et sœurs, ouvrez vos yeux, frère. Voyez la ravage que Satan fait. Ne suivez pas ses voies. Parce que si vous le suivez, frères et sœurs, votre foi s'éteindra de plus en plus. Amen. Dieu ne pourra plus rien faire pour toi. Amen. Parce que tu seras quoi dans le domaine des critiques. Mm. Ils vont toujours lui dire, hey, qu'est-ce qu'on vous a dit? Tu es parti. Tu veux vivre la parole de Dieu, tu les vas critiquer. Mm. Et on l'observe, tu vas voir, hey, tu vois, il ne marche pas bien, il va tomber malade, bien Dieu va mourir. Oh. On attend simplement qu'il s'amant. Mais nous, on veut que vous marchiez, vous vivez. Amen. On commence à guetter un peu, on va voir. Hein. Hey, aujourd'hui, on n'a pas vu. Oh, oh, alors là, on sent que ce sera c'est pas moi qui. Les corbières. Et ça, on dit ça, frère. Ça, on dit ça, sœur. Dans leur conversation, on va voir. Ça fait combien de temps qu'on nous guette pour savoir que. Et on avait dit, mais ils vont fermer. Nous, on part, c'est la fermeture. Et vous partez, c'est la grande liberté. Pourquoi? Parce que, ici, j'ai toujours dit, ici, frères et sœurs, nous n'avons pas à combattre. C'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, quand je suis arrivé là-bas, et ça, j'ai dit, mais Seigneur, dans ce coin que tu m'as envoyé, tu fais toujours des choses extraordinaires. Et je me dis, je ne sais pas, peut-être qu'on va partir, je ne sais rien. Et je suis arrivé, c'était la nuit de mercredi. Je suis arrivé jeudi, je ne sais plus quel jour je suis arrivé. Mercredi, je pense. Parce que le lendemain, je devais prendre l'avion pour aller à Calais. Et voilà, j'étais donc endormi, je ne sais pas. Je regardais l'heure, il était 2h10 du matin, l'heure d'avant. Je ne sais pas si j'étais endormi ou comment c'est passé, mais je crois que j'étais endormi. Et je me vois que j'étais quelque part. C'était bizarre, en fait, je me suis trouvé à un endroit, et je regardais, et puis quelqu'un était à côté de moi. Je ne savais pas qui c'est, je ne voyais pas la personne. Mais j'entends la voix de la personne. Mais dire ceci. Qu'est-ce que c'est que la lumière qui te suit là quand tu apportes la parole? Parce que tu es là en train de pouvoir apporter la parole. Qu'est-ce que c'est que la lumière?
La voix me pose la question. C'est comme si je dis, mais est-ce que tu réalises qu'il y a une... J'essaie de l'extrapoler, mais est-ce que tu réalises qu'il y a une lumière qui est toujours avec toi? Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, tout d'un coup, regardez ce qui s'est passé. La voix, certainement la voix, je ne voyais pas la personne. C'est comme si la personne était à côté de moi. Et j'ai eu l'impression que cette personne était un photographe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, je vois comme si on m'avait tendu une photo. C'est bizarre. Et je prends la photo, je regarde. Quand je regardais, c'est comme si les décors avaient changé. Et quand les décors avaient changé, c'est comme si je me trouvais ici. Et j'étais ici, je me suis vu là. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je devais observer la photo. Je vois quelque chose qui s'est passé, ce que, parce qu'il voulait me prouver qu'il a vu ça, il voulait me montrer. Et puis je vois que là où moi je me tenais, ici quand je me tenais là, tout autour de moi, il y a eu ce qu'on appelle, c'est comme si, c'est pas comme si, mais je voyais effectivement comme une nuée qui m'entourait. Bon. Alors quand je voyais la nuée qui m'entourait, je sais bien sûr d'observer, tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Pendant que je regardais cette nuée qui m'entourait, c'était bon pendant que je prêchais en fait. Alors pendant que je prêchais, il y a comme une lumière qui sort, qui suit en fait les mouvements que je fais. Donc parce que j'étais entouré de cela, donc je bougeais effectivement, donc ça sortait, ça suivait effectivement. Et tout d'un coup, regardez, je vois que cette nuée qui m'entourait, c'est comme si ça s'était transformé en fait, ça devenait comme une sorte de reflet de miroir. Qu'est-ce que je vois? Et ça, c'est le Seigneur qui le montre. Qu'est-ce que je vois? Je me vois entouré. Et dans le reflet, en fait, de cet halo, effectivement, de nuée que j'avais, effectivement, je vois réellement le Seigneur qui se tenait là, en fait, dans sa voie, avec cette... Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si... Donc, c'est-à-dire que je le vois, lui, il est là, donc je me tiens là. Donc, le nuée qui m'entoure, maintenant, donne, en fait, le reflet pour me montrer la personne qui est juste à côté. Et là, j'ai vu le Seigneur, frères et sœurs. J'étais dans ce moment, j'ai dit, Jésus-Christ. Je vous assure, frère, la peur qui a saisi mon âme, c'est pas la peur comme si je craignais Dieu. Non, la crainte comme celle que je pense que Esaïe a pu avoir. Et cela a saisi mon cœur. J'ai crié dans la chambre d'hôtel. Bah, je me suis levé. J'ai dit, j'ai vu le Seigneur. Et mon cœur a commencé à palpiter. Je me suis levé. Je regardais l'heure. Il était 2h du matin, 2h moins 10 du matin, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je réalise effectivement que tu veux me montrer quelque chose, que chaque fois, tu m'accordes la grâce à voir que tu es toujours présent. Et moi, je me pose toujours la question, comme je vais vous raconter, toujours la question, mais tu m'as montré la grâce que nous avons trouvée devant ta face, que tu ne nous as pas abandonné. Et tu as toujours été là pour pouvoir réellement confirmer que c'est ta parole à toi. Frères et sœurs, quand j'ai eu cela, les choses m'ont changé, vraiment. Même là où je suis parti dans la réunion, les choses ont été... J'ai déjà été, j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, cette fois-ci, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Amen. Le Dieu que nous servons, non. Vous ne pouvez pas avoir la manière dont les gens ont eu à pouvoir recevoir le Seigneur, frère. Et je vous assure, non pas la maman, j'ai là, les autres venaient et ils se frottaient contre moi comme ça. J'étais assis là, donc les gens s'approchaient, donc chacun ne pouvait toucher les fils que mon corps. Pour sentir si vraiment, je ne sais pas si c'est, mais cette habitude va se frotter comme ça. Je dis, mais Seigneur, les gens avaient tellement cette crainte de Dieu, cette désir encore davantage de moi. Aujourd'hui, je dis à mes frères, ils veulent que je puisse rester encore plus longtemps. Et non seulement cela, mais avoir aussi une église là-bas, dans laquelle effectivement, eux aussi puissent arriver à pouvoir servir le Seigneur pour que la parole de Dieu, non seulement maintenant en Myanmar, non seulement là-bas à Calais, mais aussi maintenant dans Chinstead, presque partout dans le village, le plus recoin, la parole de Dieu est en train de pouvoir rentrer. De manière à ce qu'aujourd'hui, où je vous parle, c'est quelque chose de particulier, où les gens sont venus à pouvoir s'aligner à la parole. Et quand je regarde cela, j'ai dit, Seigneur, je ne suis qu'un simple homme, je viens dans le bas-fond de l'autre côté là-bas. Il dit, mais ici, ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens, qui payent, qui ont vraiment quand ils voyagent, ils ont peut-être 20, 30 000 euros, je ne sais pas rien. Mais moi,
J'ai remercié mes frères et sœurs. Quand je parle, dans le prochain. Et Seigneur, notre Dieu nous garde. Et j'ai béni Dieu pour mon frère et Frédéric. Ce frère Frédéric, il est... Je devais quitter la maison très tôt matin pour être à l'aéroport. Il téléphone, il dit, frère Léonard, et quand est-ce que tu vas partir et prendre ton avion le jour de ton départ? Moi, je dis, mais je peux quitter la maison à 8h30. Il me dit, frère, Dieu m'a mis à cœur de venir te prendre chez toi à la maison jusqu'à l'aéroport. Je dis, mais frère, tu habites en Belgique, il dit, c'est pas un problème. Tu veux que je sois là-bas à quelle heure? 8h30. À 8h30, ta part, il était là. Je pars en voyage, il dit, tu reviens. Quel jour? Je dis, mais je reviens jeudi. Elle dit, à quelle heure? Tu dis, mon frère, tu restes à la maison? Il dit, non, dis-moi l'heure. Je dis, mais très tôt matin. Il dit, même si tu as 5 heures du matin, je serai là. J'arrive à l'aéroport. Il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait pas de femme, il n'y avait personne qui m'a embrassé. J'étais là fidèle à son trou. J'avais, comme vous voyez, j'étais là-bas, un pays chaud, je reviens avec ma veste, avec ma chemise. Mais il me fait froid. Je dis, mais vraiment là-bas, il fait chaud. Il dit, mais frère, dehors, il fait froid. Je sors comme ça pour là. Il me dit, je vais même prendre ma veste pour te donner. Je dis, mon frère, je peux supporter quand même un peu le froid et que je rentre. Et il m'a conduit depuis l'aéroport. Vous savez, je suis parti d'abord avec l'âme. Puis je reviens, j'ai dit, Seigneur, tu m'accordes la grâce à voir qu'il y a même des gens qui m'aiment aussi. Parce qu'il y a un frère qui doit quitter chez lui à la maison pour pouvoir, très tôt matin, il laisse ses enfants là-bas pour venir me prendre, pour m'amener à l'aéroport, venir me chercher, pour me ramener à la maison. Dieu, tu sais, tu es merveilleux. Amen. C'est une grâce. Et chacun de vous, frères, qui priez pour quelqu'un comme moi, Dieu vous récompense. Amen. Parce que les œuvres que Dieu fait partout où je passe, vous aussi qui m'aimez, quand même, qui priez pour moi, et qui, comme j'ai béni Dieu parce que, Seigneur Jésus, que Dieu bénisse mes frères. Vous savez, cet enfant, je pense, c'est un lot, je pense, avec sa maman, m'ont appelé, frère, nous avons des projets, j'ouvre les cartons. Vous connaissez le truc là qu'on met au cours de l'avion. Avouez-moi, je ne trouve pas bien. Il y a un truc là comme ça, qui on met protège-cou. Je vous assure, Dieu m'a béni. Que Dieu bénisse cet enfant avec sa maman, son papa, ses frères, ses sœurs. Et ils ne sont pas rendus compte. Quand j'ai mis ce... Parce que chaque fois que je voyageais, j'avais les coups battus de mon cou, il y avait toujours problème. Quand j'étais là, je n'ai personne pour masser les coups. Et moi-même, je ne sais pas le masser. Cette fois-ci, alors, la pensée, il dit, je lui donne encore un léopard en plus. Alors, j'ai pris, je dis, oh, alors, il a choisi sa couleur, personne ne peut me l'envoyer. Et je prends, je mets au cou. Parce que d'abord, il faut dire que c'est pour la question, mais et ça va la faire là, parce que le coup était un petit. Alors je l'ai forcé là-dedans. Je l'ai mis comme ça dans l'avion, frère et soeur. Quand je suis arrivé à Myanmar, mon coup était bien. Amen. J'ai dit, Seigneur, bénis cet enfant, parce qu'elle a fait un choix. Il y a comme des granulés à l'intérieur, comme ça. Ça fait doux. Où je dis, j'ai pas besoin de quelqu'un pour masser. Vous voyez comment Dieu prend soin. Amen. Les petites choses que vous faites, effectivement, frère et soeur, dans le pays où je vais, si vous savez, vous pleurez parce que vous voyez ces gens qui ont quitté. J'avais des réunions, frère, matin, après-midi, soir. Ces gens quittent leur maison. Quand je regarde chez vous, ici dans l'assemblée, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Frère, je pleurais. Les gens quittaient la maison le matin, ils sont restés là, jusqu'au soir. J'ai dit, mais frère, ils peuvent rentrer. Non, ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous devez les nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mes frères, ils sont nombreux. Alors, on achète un cochon. Grand cochon, on va tuer. Ah ben oui. Grand cochon, je vous raconte pas d'histoire. J'ai des photos. Hein. Grand cochon, combien ça coûte? Ça coûte autant. Alors, tu commences à fouiller, parce que tu calcules pour ton hôtel que tu dois payer. Ah oui. Tu n'as pas un frère ici que tu peux dire, frère, je suis dans le besoin, envoie-moi. Qui va faire ça? Et puis quand tu vas faire ça, qu'est-ce que vous disiez? Maintenant, voyage missionnaire, il nous téléphone, nous, à la maison, pour qu'on lui envoie. Je préfère souffrir.
Parce que qui est-ce que je peux avoir confiance aujourd'hui pour dire que je peux même avoir confiance, je l'appelle, dit frère, tu es mon frère, je sais que toi je t'appelle, voilà, je suis dans, ils ont besoin d'un cochon là-bas. Et moi si je paye, je ne vais pas payer mon hôtel. Envoie-moi ne plus que ça. Qui va le faire? Parce que demain, tu vas entendre quoi? Tu sais, vous savez quoi? Bon, vous avez raison. Et d'ailleurs, il m'a appelé. Parce qu'il est parti là-bas, Dieu n'a pas pris soin de lui. Et c'est moi qui dois le voir maintenant. Vous voyez comment, vous le savez, c'est vrai. Vous voyez la douleur qu'il y a? Mais je dois prendre soin de là-bas. Alors on se serre la ceinture. On dit qu'on peut même faire tout ce qu'on peut voir, effectivement. On est pour l'œuvre de Dieu. Voyez, mon frère, c'est pour dire qu'effectivement, que ce que toutes ces âmes-là qui croient au Seigneur et qui sont sauvées, c'est aussi vous par vos prières. Par ce que vous pouvez arriver à pouvoir faire aujourd'hui, c'est que ces gens-là, un jour, quand vous serez là-bas, vous direz, mais tu sais, sœur telle ou frère telle, ce que tu as fait pour les frères, moi, c'est si, mais cette âme ici est venue à la foi à cause de ce que tu as perdu. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, que chaque chose que vous faites pour Dieu, la récompense, elle est vraiment énorme. Et le Seigneur, notre Dieu, a dit, non, 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 non. Alors, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans la véritable parole de Dieu, elle fait que vous puissiez être fils de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Pour que nous puissions voir l'importance. C'est lui qui croit en moi. Jean 14. Il y a un récit. Il y a plus de l'interminé par là. Jean chapitre 14. Jean 14. Verset 11. Croyez. Mais la partie du verset 10. Mais crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait le œuvre. Vous suivez? Verset 11, donc Jean 14, 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous avez entendu? Croyez du moins à cause de ses œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi moi. Jacques, vous connaissez cela, non? Alors, on continue, il dit quoi? En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grand. Quelles sont les œuvres que le Seigneur Jésus a faites? C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus-Christ est la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Mon frère, il n'a jamais été fanfaron, il n'a jamais été blasphémateur, ni ami de l'argent, ni effectivement, passé des paroles de droite, effectivement, ni calomniateur. Est-ce que vous suivez? Non, mon frère. Tout ce qu'il faisait sortir de sa bouche, c'était pour édifier. Même la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il a toujours dit, je chercherai quelqu'un qui peut me dessiner ça. Ah, mais j'ai vraiment besoin de trouver quelqu'un qui peut me faire cet essai-là. Je vais avoir ces tableaux. Cette femme surprise en flagrant délitaire qu'on a présenté au Seigneur et avec les gens qui avaient des pierres. Et qui sont venus effectivement avec les pierres. J'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Oui, frère. La bonté de Dieu est extraordinaire à l'endroit de l'homme. Mais c'est lui qui nous a dit, effectivement, qu'il aimait même ceux qui vous haïssent. N'est-ce pas vrai? Frères et sœurs, votre attention, frère. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne pourrait jamais être à la base d'une vie. Non, ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas possible. Et puis, il ne pourra pas être celui qui dit, bon, je quitte ici, je vais former quelque chose. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Quand Dieu fait quelque chose, nous tous qui sommes des dieux, on soutient. Amen. Amen. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alors si nous combattons cette œuvre-là, nous sommes des antichrists. Amen. Amen. Oui. Plusieurs antichrists. Écoutez bien, frère. C'est pourquoi quand vous collaborez avec eux, vous collaborez avec des antichrists. Amen. Des gens qui combattent la parole de Dieu. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de haine. Non, je peux avoir un problème avec mon frère. Je ne vais pas me battre avec lui.
On va s'asseoir, on va régler, et puis on continue. Amen. Parce que, entre frères et sœurs, ça peut arriver. Le comportement peut arriver, effectivement. Il dit, frère, je n'ai pas compris. Il dit, parce que je n'ai pas compris, alors paf, je pars, je vais ouvrir mon église. Il y a un problème. Parce que la foi dans la parole de Dieu me conduit à quoi? L'amour couvre une grande multitude de péchés. Donc même si mon frère, il est tombé, amen, je ne vais pas l'abandonner. Amen. Parce que ça peut m'arriver aussi. Amen. La foi dont le Seigneur parle, mon frère. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il enverra, lui, le prophète, pourquoi? Pour amener à la foi, comme nos pères ont cru. Comment ils étaient, effectivement, comment ils étaient accueillis. Alors, quand on a cette foi-là, mon frère, les œuvres se suivent. On te voit, mon frère, tu es doux, tu aimes toujours, patient, tu es toujours patient. Malgré les insultes qu'on peut te faire, effectivement, malgré tout ce qu'on peut te faire, tu ne remets pas le mal. Tu es toujours doux, détendre. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus est. Et puis, il faut comprendre aussi une chose, effectivement. Quand tu crois dans la parole de Dieu, ils t'haïront. Amen. S'ils vont haïr, ils vous haïront aussi. Les œuvres que j'ai fait, vous le faites. Si ils ont gardé ma parole, ils aussi la vôtre. C'est normal, frère. Caïn et Abel ne vont pas arriver à pouvoir rester ensemble. Abel n'a jamais rien fait. Caïn, il avait toujours je veux. Un fils de Dieu n'a pas dit, je veux. Non, frère. Non, frère. Il n'est pas comme ça, je veux. Non. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, si c'est un homme véritablement des dieux, il ne va pas chercher à servir Dieu. Quand vous le voyez courir pour dire, on va ouvrir l'église ici, on va faire, frère, qu'est-ce que vous allez faire avec les églises? Vous n'êtes même pas dans la volonté de Dieu. Un petit peu, un frère qui se est dans quelque part, on lui dit, bon, frère, exhorte-nous un peu. Deux mois après, il commence à exhorter, et puis après, paf, ça monte. Je deviens un prédicateur. Et puis un petit peu, je ne suis pas d'accord avec les frères, on sort. Ah, vous me suivez. Vous, parce que de toute façon, qu'il soit n'importe comment, il y aura toujours les gens derrière lui. C'est vrai, frère. Les esprits mauvais, ça attire toujours. Après, si vous êtes là, il y a des coups de fil qui viennent chez vous. Et vous êtes là aussi de me regarder, mais vous avez les attractés de l'autre côté ailleurs. C'est vrai. Vous pensez que les frères ne savent pas. Frère, vous êtes en train de détruire votre foi pour rien. C'est pourquoi vous ne croissez pas. Parce que vous êtes là en contact avec les choses qui vous freinent dans votre marche. Soyez en Christ, frère. Amen. Soyez des lumières. Amen. Soyez des exemples pour les autres. Amen. Si les autres ont mal agi, même si ton fils à toi, même si ta fille à toi, même si ton papa à toi, toi prends la portion pour la parole de Dieu. Amen. C'est pour sauver. Si c'est un fils de Dieu, il reviendra à la parole de Dieu. Amen. Sans communion, mon frère. Amen. Mais quelle foi nous avons aujourd'hui? Posez-vous la question. Quelle foi vous avez? En plus, Dieu vous accorde la grâce de pouvoir avoir des choses extraordinaires en fait sous vos yeux. C'est là que vous devez vous poser la question. Est-ce que je suis un fils de Dieu, frère? Dieu ne ramasse pas les déchets. Il les confirme sous vos yeux. Avant la réunion du dimanche, je vous ai dit que Dieu fera des grandes choses. Écoutez toujours, c'est vrai que quand j'ai dit, vous pensez que... Non, mais quand vous observez quand même, quand j'ai dit quelque chose, Dieu accorde la grâce que ça se confirme. Amen. Malgré qu'on dit effectivement, regardez ce qui se passe. Les gens sont là en train de voir, regardez, n'y croient pas. Malgré que Dieu même le fait tombe là, on le voit. Alors vous ne pouvez pas dire que c'est la faute de Dieu. Oh non, parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon oncle. Alors il m'a dit, et lui m'a dit, frère, mais ce que ton oncle, ton cousin, il est possédé, il a un mauvais esprit. C'est vrai, les démons sont en train de voir l'entraîner. Il croit qu'il sert Dieu, mais il sert les démons. Toi, Dieu t'a ouvert les yeux pour voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent d'autres choses. Parce que si on sert Dieu, mais on nous étions ensemble, même parole, dire gloire à Dieu, c'est vrai. Combien Dieu est bon? Et le lendemain, la même parole qui a été prêchée, effectivement, que Dieu a confirmé, c'est devenu démon. C'est ça. Ah, ça ne vous arrange pas, mais c'est la parole de Dieu. Amen.
Ne recommencez pas les erreurs du passé, frère. Ça. Il faut que la vie soit changée. Respectez la parole de Dieu, respectez-vous. Amen. Amen. Ici, on n'est pas là pour faire des camaraderies, cousin, oncle, frère, je ne sais pas. Ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Ainsi, t'attends Dieu d'ici que nous croyons. Amen. On n'a pas besoin d'autre chose que de la parole de Dieu. Tous ces âmes qui viennent, ils veulent voir Christ, mon frère. Amen. Toi, tu deviens frère pour eux. Le malheur à toi. Amen. Il faut que les scandales arrivent. Le malheur à qui les scandales arrivent. Amen. Si toi tu as la foi, et surtout si que Dieu t'a montré un jour, et que tu dois être hésitant, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est, parce que cousin a dit, parce que maman a dit, alors tu as un problème sérieux. Tu ne peux pas prétendre que tu vas aller au ciel, mon frère. Si ton lien, c'est parce que c'est ton cousin ou ton frère ou ton oncle, tu n'as rien à voir avec Dieu. Le ciel pour toi, il est fermé. Tu ne lui diras pas, je ne le savais pas. Maintenant, écoutez bien. Si ton lien, parce que c'est mon cousin, c'est mon papa, c'est mon mari, c'est cela, le ciel pour toi, il est fermé. Parce que celui qui te fait entrer au ciel, ce n'est pas un homme. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas cousin, il n'y a pas oncle, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas frère. C'est simplement la parole de Dieu. Amen. La foi dans la parole. Alors si tu crois à la parole de Dieu, frère, tu vas résister. Prenons un exemple, frère. Vous êtes ici, je ne sais pas, frère. Mais vous connaissez quand même votre pasteur. Vous connaissez quand même ce que Dieu fait avec lui. Amen. Mais tu sors ici, ton cousin ou ton nom, ton papa t'appelle, tu dis, ah oui, c'est vrai, je crois que le pasteur, il n'est pas correct. Hein, parce que pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que toi, que tu fais, qui n'est pas en rapport à ceci. Mais parce que tu dis, tu veux utiliser, tu vas dire, je ne suis pas d'accord. Tu commences à critiquer même celui qui est ton pasteur dans ton assemblée. Et puis tu dis ici, gloire à Dieu, que ce chant rétentisse en tout lieu. Alléluia, alléluia. Frère, vous êtes tenté de jouer avec Dieu. Si vous ne croyez pas que cet homme est un homme de Dieu, partez. Sinon, vous perdez votre temps, vous ne grandirez jamais spirituellement. Mais si vous croyez, alors fermez la bouche aux autres. Amen. Amen. Oui, mon frère. Amen. Défendez la parole de Dieu. Amen. Il dit, nous avons vécu avec lui. C'est un homme, mais on sait ce que Dieu fait avec lui. Amen. Vous ne défendez pas l'homme, vous défendez la parole de Dieu dans l'homme. Amen. Ça veut dire que vous défendez Dieu. Amen. C'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, vous bénira aussi parce que vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous ne pouvez pas laisser les ténèbres vous encombrer. Amen. Vous défendez la vérité pour que la lumière brille encore davantage. Amen. Vous êtes le témoin de ce que Christ fait. Amen. Ne participez pas à la division, mon frère. N'allez pas les assembler à gauche et à droite. Quand ce n'est pas de Dieu, restez là où Dieu vous a positionné. Croyez à la parole de Dieu. Allez de l'avant. Coup de fil à gauche pour fermer le téléphone. Amen. Dis, frère, tu n'es pas en communion avec nous, tu ne vois pas ce que venir faire avec toi. Amen. On ne t'a pas chassé, tu es parti toi-même. Amen. Tu as coupé toi-même la communion, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, même si le pasteur il est faux. Mais quand même, toi, tu devais montrer ta communion à toi. Amen. S'il était dans l'erreur, tu devais quand même rester. Vous dire, mais frère, voilà, voilà, parce que je prierai pour toi. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Mais ça montre que toi, tu as un problème. Amen. Frère, c'est la Bible. Oui. La véritable foi est dans la parole. Amen. Pas dans l'amitié ou la camaraderie, mais dans la parole. Amen. C'est comme cela qu'on voit Christ dans la personne. Frère, parce qu'il faut combattre une foi. Bon, la foi qui est transmise fort de tout ça. Amen. Donc on combat pour que cette foi demeure effectivement la foi dans la parole. Amen. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui par là. Amen. Qu'est-ce que Satan a fait? L'homme et la femme s'étaient nés sous la base de la parole de Dieu, c'est vrai, dans le jardin d'Éden. Tout allait très bien, frère. Parce qu'ils croyaient à la parole, ils étaient heureux, le bonheur y était. Amen. Satan est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je termine. Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça que ça se passe. Quand le Seigneur a commencé à agir, effectivement, qu'il agit parmi le peuple de Dieu, mais les coups de fil vont venir. C'est sûr et certain, frère. Regardez toujours. Observez. C'est quand nous commençons à pouvoir grandir dans les choses. Amen. Et que la parole de Dieu vient, il y a toujours un problème qui surgit. Amen. Vérifiez, frère, chaque fois. Amen. C'est quand ça monte, effectivement. Paf! Quelqu'un doit produire quelque chose.
au stade où nous en sommes, observez. Prions Dieu qui nous accorde la grâce. Amen. Parce que quelle la chose qui s'est préparée, faites parce que Satan prépare quelque chose. Écoutez bien, frère. Parce qu'en plus, tu es en train d'agir, effectivement, au grand temps, effectivement, qu'il y a quelqu'un qui va souger quelque part. Paf! On va dire, oh, pasteur, il a fait ceci, il a fait cela. Alors que votre pasteur n'a rien à voir dedans. Bien sûr. Parce que maintenant, c'est autour, hein, on t'amène un guetté, des coups de fil qu'on donne, ainsi de suite. On réalise là-bas, à gauche, à droite, on dit qu'il ne sait pas. Mais Dieu que je sers ma grâce. Amen. 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 Frères et sœurs, le temps du jouet n'est plus. Le temps de camaraderie n'est plus, frère. Tous ces armes ici, ils ont besoin de Dieu. Et ma vie est pour qu'ils vivent. Amen. Et oui, la parole de Dieu doit être prêchée pour que ces armes vivent. Amen. Si vous êtes de Dieu, vous devez vivre aussi. Amen. Et si vous n'êtes pas de Dieu, laissez les autres croître. Amen. Amen. Il faut que la parole de Dieu atteigne ceux qui ont soif de voir Dieu à l'heure. Frères et sœurs, c'est le temps où nous avons besoin de nous tenir dans la présence de Dieu. Ce que nous voulons, frère, c'est le réveil. Il a commencé. Amen. Oui, frère. Oui, frère. Ah, oui. Le gens ne se rend pas compte, mais nous sommes en train de pouvoir entrer dans la chose, effectivement. Ceux qui sont de Dieu sont. Mais c'est vrai, frère et sœur. Vous savez comment ça commence à bouger dans la mer? C'est d'abord un petit peu comme ça, non? C'est comme ça, non? Et puis après, la force vient, et vient encore, et paf, boum, ça monte comme des grandes vagues. C'est ça. Amen. Nous y sommes. Parce que c'est la Pentecôte. Amen. Nous cherchons à ce que si Dieu agisse encore davantage, il va le faire, frère. Amen. D'une manière aussi active, dans le cœur, dans l'âme, il va le faire. Satan te guette, mon frère et ma soeur. Écoutez, frères et sœurs, accrochez-vous à la parole de Dieu. Amen. Ayez foi dans la parole. Que l'amour de Dieu abonde davantage Amen. Dans votre cœur. L'amour de Dieu va vous prévenir de toutes choses qui sont contre la parole. Qu'il vous aime, qu'il ne vous aime pas, vous aimez. Amen. Quand vous remettez les mains à l'endroit de la personne, vous êtes tombé aussi. Amen. Mais que la parole de Dieu, l'amour dans la parole de Dieu agit. Frères et sœurs, quand Dieu est en vous, regardez, nous avons des frères et des sœurs qui sont de nouveau, qui viennent. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? C'est de voir que vous êtes des modèles. Amen. Mais c'est vrai. Ces âmes, ils ont besoin de pouvoir vous voir, vous aussi, vous intéresser aussi à eux. Amen. Mais c'est vrai. Mais c'est comme ça que l'Écriture nous montre, frère. Nous entourons mutuellement, nous aidons mutuellement, frère. On doit y voir par nos habitudes, que seulement avec celui-ci, non, avec chacun de nous. Amen. Nous voulons entourer le faible pour qu'il puisse vivre la parole de Dieu. En fait, ensemble, nous offrons un parfum de bonne odeur à notre Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a tellement de divisions. Et ça reste souvent le sujet de conversation de frères et de sœurs. C'est ça qui détruit les gens. Quand les gens sont sortis du milieu de nous, vous oubliez. Amen. Ça ne sert à rien de continuer à pouvoir parler. Ils ont dit, ils ont fait. Vous continuez d'avant. Amen. Ne laissez pas la possibilité à Satan de trouver une porte ouverte chez vous. Amen. Amen. Il trouve la porte fermée. Alors je voudrais bien que quelqu'un qui sait nous chante ces cantiques. Vous connaissez les cantiques? Viens, mon précieux frère. Vous connaissez les cantiques? Amen. Vous connaissez? Amen. Amen. Si tu viens, Amen. Donne-moi la main, n'est-ce pas? Amen. Mais si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Et puis notre frère va me conduire. Je suis en route pour Canaan.